Aucune preuve. Oui, ça y est, j'entends le stream. Choix. Maxi Chouin de Lactel. Maxi Chouin, Chouin. On est jeudi 21 avril, il est 18h53. On lance ce live un tout petit peu en avance parce que je voulais que vous entendiez Panda chouiner. Voilà, parce que Panda chouinait. Je ne chouine pas. Ah si, tu chouines et tu chouines et tu manges des crènes. Il est en train de chouiner parce qu'il a perdu un playoff sur NBA 2K16. Ouais, mais je suis arrivé en finale quand même. Respect le taboulé, quoi. Ah, t'as pas gagné Kobe Bryant Gold. Ouais, j'en ai 8. Gold de violet, je sais pas quoi. Putain, mais c'est quoi c'est. Mais Poppy, t'es pas sur la bonne fenêtre. Bah oui, voilà. Je suis en train bravo de... Bravo, Poppy. J'étais en train de me dire, hey, ça marche plus la manette. Mais si, ça marche en fait. Remboursé. Alors ce soir, messieurs, dames, nous sommes en présence de The Sad Panda. Bonsoir, monsieur Hello. The Sad Panda. Coucou. Et nous sommes en présence de Magritor. Bah ça, vous le saviez déjà. Coucou. 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 C'est monsieur Bernard Tipeee qui t'a fait un don, quoi. Oui, Bernard Tipeee, c'est lui qui m'a fait 80 balles hier soir. Ah, le meilleur nom de l'histoire, Bernard Tipeee. Non, pardon. Bernard Tipeee m'a fait un don de 2,50€. 2,50€, j'ai vu. C'est Krasnak. Attendez, je veux pas écorcher son nom parce qu'il m'a fait un don de ouf hier. C'est Kazrak. Kazrak. Ouais. Non, mais Bernard Tipeee, c'est un excellent nom. Hier soir, j'étais choqué. J'étais pas choqué déçu, j'étais juste choqué. Choqué. Salut Théodule, bienvenue à toi Lolo77520 qui rejoint la team content, enfile tes chaussons et pose ton putain de boule. Bonsoir mes petits virus de la peste bubonique putride, bonsoir l'autre belge, ça m'a fait toujours tellement plaisir de te voir. Dis-moi l'autre belge, est-ce que tu viens à la Néocast? J'espère qu'il va me dire oui. C'est très bien, tu es en vacances, bien, bravo monsieur. Ah non, ma manette remarche effectivement plus. Alors pourquoi? Sérieux? Ah si, ça y est, ça remarche. Je sais pas. Ah. Bisoir tout le monde. Ah c'est quand? Salut Barlomino. C'est quand je sors ma souris de l'écran, bah ça va être très chiant. Alors ce soir on joue à Forge Quest. On ne sait pas ce que c'est. On a vu que ça avait l'air chouette. Ça fait quelques jours qu'on l'a dans ligne de mire. On sait pas du tout ce que c'est, ça a l'air d'être un petit JRPG à la Cube World façon Fight the Dragon. Et du coup, on s'est dit, tiens, si on achetait un pack 4 clés parce que c'est moins cher que d'acheter 3 clés parce qu'on au départ, on voulait le faire avec Pseudo, mais Pseudo n'est pas dispo. Alors du coup, bah comme on avait 4 clés, on a fait, ouais, Magritor, tu veux venir? Du coup, Magritor est là, mais Pseudo n'est pas là. Du coup, sur 4 clés, il en reste quand même une, si vous avez bien fait le calcul dans vos têtes. Voilà. Du coup, on va le tester. On va voir ce que ça donne, on va faire deux petites heures dessus, et puis à la fin du live, ben, on fera gagner la dernière clé, voilà. Ça vous va? Moi ça me va. Allez, c'est parti. Moi je trouve ça sympa, quoi. Ouais, c'est sympa. Franchement, on est des gens sympas. Alors, putain, mais c'est vraiment Cube World, hein. Le name, comment on va l'appeler? On va l'appeler... Bon, moi je sais la classe que je vais prendre, hein. Je préviens. Tu prends quoi? Je vais prendre un Squire, en fait c'est un tank. C'est un putain de tank. Voilà. D'accord, très bien. Moi je veux un bon gros bourrin, type guerrier, tu vois. Hardcore? Non. Équipe. Oh, je vais faire papy hardcore, moi. Voilà. Un gros bourrin? Équipement ninja. Je crois que t'as l'aventurier Gunsmith, ou alors le gunsmith. Squire, ça c'est toi le Squire, c'est ça? Ouais, il faut peut-être pas qu'on prenne tous la même classe, ça serait un peu redondant, je prévois. Apprenti, c'est genre magicien, voilà. Warlock. Bah on va prendre l'adventureur, hein. Adventureur, go on, grab your friend. We go to very distant land. Oh, female red, female purple. Bienvenue à toi, Setsuro. Elf mâle, Dwarf Red, oula. Alors, attends, parce que je suis sorti du jeu, forcément, j'ai fait Misclick. Putain, il est tellement qu'est-ce moche, fait lui. Ah. Regarde ça comme il est moche. Je peux pas le faire tourner? Ah non, merde, je retrouve pas le... Je veux la tête de base, moi, voilà. Un punk avec je une suis moustache. Le chevalier noir. Alors, t'as pris quoi comme classe? Ouh, Tribal Wolf. Ah, oh, c'est joli ça, j'aime bien. T'as pris l'aventurier? Attends, vas-y. J'ai pas fini de le faire, l'adventureur.
L'aventurier. J'hésite entre le Tribal Wolf et le punk. Le punk à moustache, putain. Qui moi, j'hésite avec le look par défaut du Squire ou alors le papy, quoi. Je vais faire un papy. Eh, les gars, vous préférez quoi, punk à moustache ou Tribal Wolf? Allez, on va prendre le Tribal Wolf, il a une bonne gueule. Ah. Moi, je vois les gens qui rejoignent, ta team en retard, donc je dis bonjour, Cam King. On prend le punk à moustache, il est trop rigolo. Ok. Épée. Arc. Armure de cuir. Fatality Dagger Volley. Ok. Salut, Brioche Geek, j'adore ton pseudo. Coucou, Brioche, coucou tous ceux qui arrivent. Tribal Wolf, c'est OP. Pourquoi c'est OP? Ils ont des... Attends, j'ai pas fait gaffe, il y a des... Overpower? Mais il a rien de spécial, si. Bah non, c'est les mêmes, c'est tous les mêmes. C'est les mêmes. Oui, c'est juste la tête qui change, quoi. Allez, le punk à moustache. Non, le punk à moustache, sérieux. En plus, il s'appelle Punkstache, c'est trop bien. Punkstache. Putain, il faut que je vois à quoi ça ressemble. Par contre, comment on fait pour se rejoindre en... Je sais pas, attends, déjà, je vais lancer un play et puis... C'est spécial dans le cœur. D'accord. Dans le cœur. Dans le cœur avec les avec les caps lock. Eh, fais gaffe, hein, toi. C'est pas interdit les caps lock. Only a few more steps to reach my destiny. No matter what. I wanna be the very best. Dun. I've demolished every bar. En fait, c'est dès que je sors ma souris de la fenêtre. Bah, je vais la foutre là sur la minimap. Elle me saoulera pas. None here will wish it were never born. Après que j'ai fini ici. Les forces du mal auront souhaité ne jamais être nées. Ok, mouvement. Oui, mais. Là, ça, c'est le jump. Je crois que c'est un tuto au début. Oui, mais d'accord, mais. Oh, putain, j'ai une épée de ouf! Mais je suis obligé de le faire à la souris, le tuto. C'est quoi cette daube? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la garde? Oh, putain. Oui, il me disait les touches souris clavier, mais je pouvais faire la manette. Ben, moi, il veut pas la manette. Non, ah non, bon, je suis. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Option. Input, contrôleur, voilà. Putain, mais c'est comment ça s'appelle? C'est Dark Souls, quoi. Return to game. Ah, c'est bon. Ah, je suis pas contre moi. Ok, ça c'est mon arc. Ça c'est quoi, ça? Ça c'est la mise en garde. Ça c'est pour rouler comme un petit fufu. Ah ouais, je peux taper le sol. Je peux sauter sur le sol. Bon, il y a un petit tuto de merde, donc, si j'ai bien compris. Si tu oui. De merde, j'arrive les copains, hein, inquiétez pas. Putain, ça lag à mort. Pourquoi mon FPS il est tout pérable? Ah, je peux pas jouer là, je suis putain. Pas en mode PC putain. Master Race là. Puis ça, ça. Faut que je vous dise, en début de live, il était en... Avant qu'on commence le live, il était en oui, PC Master Race et tout. Moi je suis un foufou, je vais tout mettre au max. Attendez, c'était quoi non, la touche? Je vais pas tout mettre au max. c'était ça la touche. Ah, mais ça marche plus. Bon, je comprends pas, ça marche plus. Ok, j'ai fait planter mon PC. Non, c'est... Tu m'as tapé dans le dos, tu es une méchante personne. Voilà, là je suis en 60 FPS, qu'est-ce qu'il y a? Donnez-moi des petits cœurs. C'était pas ça? C'était... Ah non, c'était ça, c'était l'autre gâchette en fait. Forcément, ça risquait pas de marcher. Je peux casser la lumière? Non, je peux pas. Ah, je peux pas le prendre parce que... Attends, mana, rage. C'est bon, j'ai retrouvé la touche. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, donc ça c'est la rage. Space to dodge? Non, pour le coup, c'est ça, je crois. Ok. Ah bah ça marche pas très bien. Hein. Ok. Mais t'es vachement en avance sur moi sur le... J'ai tué le boss. Ok, t'es vachement en avance sur moi, quoi. Je vais voir si on peut avoir des gens après le tuto. Ah ah! Shift to block. Mais mec, je suis sur... T'es sur manette? Je suis sur manette et continue à me c'est donner... C'est Y. Oui, oui. Ah, moi il fait pareil, t'inquiète. Ah merde. Ils ont pas pensé à faire la portabilité. T'es quoi toi? T'es un boss toi? T'es... On a des pouvoirs magiques ou... Pas spécialement. Pas impression. Ah, je pensais. Yeah ou alors... Enfin moi mon arme secondaire c'est avec la touche B, c'est l'arbalète. Ouais. Alors par contre c'est très bizarre, la barre de vie est verte. Ability Squeak Bar. Ah! Très bien. Donc on peut jouer à la manette. Mais par contre, il y a quand même besoin du clavier pour les habilités, les abilities. Alors, ton habilité, la première, c'est LB. Ah, attends. LB, c'est l'épaule de gauche.
LB, l'épaule de gauche. Oui. Ouais, tu vas voir quand t'appuies dessus, ça met... Ah ça oui, met la gâchette. Oui, je l'ai fait déjà. Pas la grosse gâchette, hein, la petite. Hein. Oui, la petite. Oui, non, c'est pour que, parce que je, on n'utilise pas les mêmes français. On n'utilise pas le même français. Il a pas l'air gentil. Mais moi, l'arbalète, elle est craquée du cul, quoi. Tabatabata. Ha! Tu penses que tu vas me gajurer? En français, ça se dit gajurer. Le gajurer? Gajurer. Tu es hors de ton de ma juridiction, cowboy. De ta juridiction, héros. This is where your story ends. C'est là où ton histoire se termine. Comment on fait pour sauter? Ah non, mais j'ai essayé de sauter, mais j'ai pas réussi. Tiens. Ah, ok. Je te fais rien du tout. Je comprends pas, je suis bloqué là. Moi, je te tape les pieds quand tu m'as tapé, vas-y. Comment t'as fait pour arriver au boss? Moi, y a un trou, je peux pas passer. J'ai utilisé ma première attaque en fait, ça me permet de sauter. Enfin, le. Un truc qui te fait sauter en avant directement. Ok. Vas-y, tape. Oh, j'aime bien, par contre, il est nerveux comme jeu, quoi. Ouais, c'est sympa. Ça s'énerve un peu plus que tu vois, déjà. 60 FPS, mais... Je peux tuer les coups, ou quoi? Hurdon. Ah, what? Tu me toucheras jamais! Je suis le punk rouge! Je suis le punk à moustache! Tiens! Impossible! Tu es vraiment le plus glorieux et merveilleux héros en vie! Oh, ce bruit de mort! Il me tombe sur la gueule. Là, logiquement, je suis une crêpe. J'ai pas perdu de vie. Ta-da-da-da! Alors moi forcément je peux encaisser beaucoup de dégâts mais je tape comme une moule. Hein. Ah bah je suis désolé si vous avez des problèmes avec Twitch les copains mais moi je suis à zéro image perdue, tout va bien, il y a aucun souci, il y a pas de perte d'image. Donc ramenez vos copains pour qu'on ait la qualité sinon. Voilà, faites des dons pour qu'on ait la qualité. Ah non c'est pas comme ça que ça marche. Vite tes cœurs, tes petits cœurs, qu'est-ce que c'est? Je crois que le golem a un crush sur ton perso, j'avoue. J'avoue. Get it together, you can do this. Just a few more pages and then I'm ready to begin my adventures. Ok. You've been waiting your whole life for this. The chance to finally become a hero. Let's just keep to the important bits and get this over with. The great land of smoke passenger. Non, je vais arrêter là. T'en es là aussi? Ouais, je suis sur le bouquet, mais j'ai pas envie de lire, il y a trop de texte. Moi aussi, je... Oh, je regarde les images à gauche. Le vénérable Je suis un gros feignant du texte, hein, je vais pas tout lire. C'est comme dans tous les jeux, tu passes les pages, et puis c'est comme dans tous les jeux. Comme dans tous les jeux, je lis rien du tout, puis j'avance et je fais, mais pourquoi je fais ça? C'est ça. Merci, Linketera. C'est quoi l'histoire? Il y a des méchants. On peut monter sur les petits poteaux. Oh. Ah, mes attaques, c'est plus les mêmes. Oh non. C'est plus les mêmes. Parce que tu étais dans un rêve, donc tu avais une arme de ouf et tout ça, mais en fait... Ah ouais, voilà. D'accord. Je m'en fous. Tu comprends? Là, t'es pourri, en fait. Ah ouais, en fait, je suis pourri. Non, mais j'ai soulevé un poulet, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc ça, c'est ma chambre. Elle fait pitié. J'ai l'impression d'être dans... Ce cadre, cette espèce d'angle de vision, ça me fait penser à... Dungeon Keeper. D'accord. Pour ceux qui ont connu, c'est à l'ancienne. Comme ça pose des risques de venir avec des bouteilles en verre, si on vient avec une noix de coco pour le panda, est-ce qu'on va se faire confisquer? Il paraît qu'il est fan de noix de coco. Alors, vous voyez ça avec eux, c'est pas mon problème. Moi, je fais pas le plan Vigipirate. Oh putain, c'est Zelda, ça. Ouais, apparemment, c'est interdit, tout ce qui est bouteilles de verre, mais ça, c'est toutes les conventions. Hein. C'est normal, c'est le plan Vigipirate, c'est tout. Ouais. Une bouteille plastique, si vous pouvez faire un transvasement dans une bouteille de Badoit. You still need to get to the bureau and get your papers signed before you can leave. You do have your ticket, right? Ticket? Seriously.
How can you not have your ticket? You will never get through that line. Look, that's just this ticket and get your paperwork over with. The sooner you get that done, the sooner you can get yourself killed. And I can go take a nap. Ok, apparemment je vais aller chercher un ticket, je sais pas où. Ouais. Pousse-toi à la poule, sinon je te pète la gueule, quoi. Y a des vêtements et tout à acheter. C'est pas ça que je veux, monsieur. D'accord, Dragon Corset, non. Je peux évaluer. Shattered Forge. Shattered Forge. License Bureau. Ok, je l'ai trouvé. License Bureau. C'est où? C'est au nord de la ville, un peu sur la droite. Je vais parler à une chouette, tout va bien. Ah oui, le nord ici. Ouh, ouh! Finally someone with the right ticket number. I was beginning to think I would get one this week. Solomon. What can I do for you today? Oh wait, I recognize you. You're the new hero in training. I saw your parents drop you off by carriage a few days ago. Well, tu dois peut-être traduire, non, pour les viewers qui sont pas forcément anglophones, oui, vite fait. T'es le nouveau héros qui est arrivé en ville, qui s'est fait dégager de sa calèche par ses parents pour être entraîné dans la ville. Avant que tu puisses commencer ton aventure, laisse-moi te faire signer tes papiers. Magritte qui me parle dans le chat de SD. Je te parle pas. Ah, tu m'as envoyé. Oui, attends, je finis juste le petit. Je te parle pas. Le petit débat. Shuffle around. Some papers. Ah, t'essayes de l'inviter en fait. J'essaie d'inviter beaucoup. Il fouille, il me donne des papiers à lire. Je suis content. Voilà. Essaye une paper below, blablabla, on s'en fout, je signe. Allez. Wouh! Mais c'est quoi cette ville où il y a des poules partout? Non mais. Enfin, vous allez me faire croire que. On peut même pas tuer les poules. Non, on peut pas. On peut juste les jeter. Ah, le mec, il avait pas le bon ticket, donc il est mort ici. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Eux, ils font la queue. Moi, je suis passé devant comme une connasse. Ils font la queue, ils me regardent comme des rageux. J'ai fait exactement pareil. Vas-y, j'ai pas peur. Ah, j'ai peur. J'avais même pas capté que c'était une file d'attente. Ok, et du coup, je vais tester de voir si je peux te rejoindre. Ma souris. Ah, j'ai plus ma souris. Alt tab. Merci. J'ai cliqué pour rejoindre la partie, mais je crois que ça marche pas. Sérieux? J'ai l'impression que ça a rien fait. Peut-être qu'il faut arriver à un certain niveau pour pouvoir faire du multi. Ouais, je pense qu'il faut peut-être passer une partie du jeu. Putain, je lui ai jeté une poule dans la tête, ça lui a fait mal, quoi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je ne sais pas. J'avance, les rageux font la queue, grave. Ils ont trop le seum. Je sais absolument pas où je vais, je me barre dans la forêt. Qui es-tu, aventurier? Allez, Terry. Alright. Oui, de l'or, des diamants, des boucliers. Oh putain. Oh, j'ai trouvé un bouclier trop cool. On va dans la forêt. Je te pète la gueule, petite chose. Par contre, quand tu veux taper un ennemi donc tu te retrouves à soulever une poule, c'est bizarre. Level up. Ok, d'accord. Du fric. Du fric et des putes. Pourquoi vous avez des loups de bombes, les gars? J'ai trouvé M. Veux-tu capuche? Ah, ok, c'est vraiment comme des slimes dans Minecraft, en fait. Tu les tues et il y en a trois autres qui pop. Chouette. Chouette. Par contre, c'est dommage qu'ils aient pas fait un truc pour pouvoir comparer les armes facilement, quoi. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Mais je suis pas censé. Ah, si, d'accord, faut que je sois une certaine distance en fait pour tirer des flèches. Je peux pas faire une attaque chargée comme dans Minecraft, genre. Non, ça marche pas. Vas-y, comment t'as ramené toute ta famille? Alors attends, blanc, bleu, vert. Donc les armes les plus fortes, c'est rose, elles sont roses. Comme dans tous les jeux. Je vais mourir. Les poules, sauvez-moi la vie.
T'es sérieuse, tu vas mourir malade du tutoriel? Mais ouais, je me fais dégommer par des slimes. Putain, ça y est, je me fais ganker là. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais je me fais. Ah, on peut je rester me fais troller par une poule quoi. Ça, c'est bon à savoir. Ok, alors attends. Inventaire. Inventaire? Non. Start. Ah oui. Alors. Ah, j'ai trop de la maille. Celui-là, il est mieux. Et les bots? Je comprends pas le système de level up. Ils sont pourris. Non, c'est bon. Ok. Ah, mais ma vie, elle remonte tout doucement. Ok! Ah! Ah, ouais, je peux lancer des dagues. Je trouve une ouf. Ah non! Putain, la meuf, elle fuit devant un slime, c'est la honte. C'est quoi, d'après toi, les carrés sur les armes là? C'est qu'on peut équiper des diamants dessus? Et alors, quand je level up, je peux faire quelque chose ou... Je crois que tu dois aller voir quelqu'un. Parce que t'as une case de level up qui apparaît, tu dois aller voir sûrement un gars qui te fait... Ouais, level. Ça fait. Ah, mais ça, c'est pourri pour moi. Putain, la poule, elle s'est venir toute seule. Vas-y, là, j'ai trouvé plein de trucs, ça me sert à rien, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Gain your first level, read more about it in your journal. Ok, d'accord. Faut lire ton journal. Faut lire ton journal. Ok, mais je suis allé voir, mais... Alors, congratulations, first level... Ah! J'ai bloqué ton attaque, là, la vilaine! Mais en fait, je comprends pas, on doit faire quoi? On doit aller où, là? Comment on fait pour jouer à Ah, il faut aller dans le truc pour classe, d'accord, alors attends. Warrior. Du fric! Moi, j'aime ça, le fric. Bon, écoute. On va aller voir en bas. Bienvenue à ceux qui arrivent! Bienvenue! Ça a l'air d'être un vieux labyrinthe, cette forêt. Ouais toi j'ai acheté une nouvelle compétence, qu'est-ce que tu vas faire? Mais pourquoi je peux acheter des compétences pour le mage et tout ça alors que j'en ai pas? Vous aussi, vous êtes dans la forêt, vous cherchez... Ah! Bonjour! Oui, je me balade. Hop, oh, putain. Ok, donc ça repop, c'est bon à savoir. L'entrée ne s'ouvrira pas. Bien. Regardez qui a décidé de se montrer. Je suis honnêtement surpris que tu aies réussi à aller aussi loin. Peut-être que tu n'es pas aussi utile que tu en as l'air. Ok, je suis tombé sur une gabegère. Je vais pas me la péter, mais... J'ai déjà héroïquement tué 10 slimes. 5 condemned, 5 dumblebees. Et 5 abeilles. Ouais, c'est ça. Je suis un putain de gros bâtard, trop stylé. J'ai trouvé l'abeille géante. Pareil, je suis en train de me faire défoncer. If you go in there and you're not ready, you're just gonna get yourself killed. Si tu vas là-dedans et que t'es pas prêt, tu vas juste te faire tuer. Donc tu sais quoi, derp? Ouais, parce que twerp, c'est un peu nul. Twerp. Tu veux aller dans ce donjon? Il va falloir me passer sur le corps, d'accord. Are you ready to fight? Yes. Je te défonce, moi, tiens. J'ai pas peur, hein. Putain, mais l'esquive, elle sert tellement à rien, quoi. Ouais, c'est ça. Et limite, il vaut mieux marcher... Il vaut mieux connaître les patterns de ton ennemi, en fait, et... Ah, mais ils en ont pas tellement, en fait. Comment je t'ai défoncé, mec? Ouais, pas mauvais. Putain, mais y a pas moyen de faire un deal zone, est quoi. Un deal, blablabla. You gain levels, you get class points. Make sure to spend these points in the class menu for cool abilities and perks. How do you think I became so awesome? Merde. J'étais stressé par l'abeille et du coup j'ai pas. Ouais! J'ai pas regardé ce qu'il me disait. Ok, tu dis un, hein? T'appuies sur 8? Hein? T'appuies sur 8? Je manette. Ah, je sais pas. C'est où que tu vas acheter tes trucs alors?
Quoi, la classe? Vous êtes allé dans le donjon ou... Quel donjon? Bon, moi, je tue une abeille. Oui, pareil. D'accord. Tu veux dire pour faire monter ton niveau, Bob? Town! Je rentre en ville. Faut rentrer en ville pour monter son niveau, c'est ça? Non, y a pas besoin, en fait. Tu appuies sur Start, et tu vas dans Classe, et là, tu choisis ton personnage, et tu lui attribues un point quelque part où tu veux. Ah, d'accord. Ouais, mais en même temps, faut prendre des trucs de Warrior aussi, enfin, faut pas être con. Bah, ça dépend, t'as quoi comme classe, toi? Bah, je suis Warrior. Je vais pas aller je vais pas aller prendre des trucs de Wizard alors que je suis Warrior. Oui, bien sûr. Knight ou Barbare, c'est quoi la différence? Il fait quoi, le... Dash Forward... J'ai tué une guêpe géante, ça c'est fait. Ah voilà, ça j'ai pas visité. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux, toi, la guêpe? Plus 10% en mêlée, surround yourself with eternal swords, that's less. Ouais, d'accord, et le barbare? Alors, si quelqu'un sait comment on se sert des potions et tout ça dans ce jeu... Flèche de gauche, apparemment, pour les potions. Ah oui. Bien vu. Est-ce qu'on peut... Alors, j'ai le truc, piché. C'est, est-ce qu'on peut débloquer les deux arbres ou est-ce qu'on peut en débloquer qu'un seul? Parce que les deux sont intéressants. Tu peux en débloquer plusieurs, non? Bah, à mon avis, tu dois en débloquer un pour accéder aux autres. Requiert 7 skill points in Warrior. D'accord. Ah, d'accord. C'est ça, le donjon. Ouais, le Knight's Shop. Deal an explosive strike that deals 15% weapon damage à physical. Ok, d'accord, bah on va prendre ça. Purchase. Merci. Ok, très bien. Oh, je peux changer d'épée, c'est cool ça. Je peux changer de bouclier. Rage Max, celui-là est Mana Max et Rage Max. Mais je vais prendre celui-là, il est parce qu'il est plus stylé. Ça, la mienne est mieux. Ça, j'ai pas trouvé mieux. Ça, j'ai pas trouvé mieux. Ok. Et bah, on est bien. Du coup, je suis rentré en ville. Je te défonce, t'es riche. Je suis rentré en ville pour rien, du coup, c'est ça le trip? Oui. Ok. Ce donjon est dangereux, alors pour t'empêcher de te mettre en danger, je vais te tuer. Voilà. L'intelligence des jeux. J'ai trouvé Terry dans la forêt. Ah, je l'ai trouvé aussi, je viens de le battre. Là. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais en 5 secondes, en fait, vous êtes allé taper des... Bah, nous, on est parti en rond, on est parti à gauche. Vous êtes allé taper des abeilles géantes. Mais à quel moment on peut faire du multi, en fait? Ah, c'est different effect. Donc, ça veut dire que là, je peux utiliser mes runes. Bonjour, madame de... du donjon. C'est pareil, Zelda. Ah, ça, c'est du Zelda de ouf, ça. En ville ou quoi? What can I help you with? Shop? Tu vends quoi? Berserker Ring. Ouais, mais je peux pas les porter, madame. J'ai pas le niveau. T'es vraiment une salope. On peut équiper des runes, quoi. C'est la fête au village. Les parents, les enfants ont avalé leur potage. Tu vas crever, je vais te péter la gueule avec mes petites dagues dans ta tronche. Voilà, ça c'est fait. On peut pas monter les runes n'importe où aussi, elles ont des emplacements. I care. Je casse tout, je veux tout le fric. Le fric. Bon, moi je me suis équipé pour avoir 20% de fric en plus. Hein. De fric. Mais d'où? Mais d'où? L'argent. Mais d'où? Ah d'accord, d'où tu sors les... D'où tu sors le fric, ouais. Quoi? Bah, j'ai équipé une rune sur mon petit bouclier de la mort, quoi. Ah ah ah! Parce que j'ai droppé un petit bouclier de la mort. Ouais, sois pas jalouse. Ne fais pas ta rageuse. Mais c'est quoi? Vas-y, je suis en train de tuer un coquelicot là, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, c'était quoi? J'ai chopé quoi? Oh, Spectral Shield! Il fait quoi? 38. Ah ouais! Non, je vais mettre ça. Oui, s'il vous plaît. Attends, du coup, tu sais quoi? Je vais aller rechercher sur le net comment on fait pour se rejoindre en partie parce que là, ça me. Et d'accord? Pareil. Et ok. Ah, j'ai trouvé une laser armor, je l'avais pas vue. Bienvenue à toi, Nos. Hey. Non, mais t'es sérieux là ou quoi? Est-ce qu'elle vend de la bière dans son donjon? Ah, ça serait bien. La bière du donjon, c'est nous qui la buvons. La bière du donjon, c'est nous qui la buvons. Bon, je vous préviens, y a pas de vraie pause dans le jeu. Non. Voilà, on est d'accord. Il faut rentrer en ville, sinon. Harvest 10 ressources. Oui. Oula, c'est quoi? C'est un puzzle game?
Attendez, attendez. Quoi? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Ok. Mais j'ai le droit à combien de coups? Aussi. C'est quoi ces embrouilles, Martinez? Ils sont sérieux, là? Quoi? Network. Tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a, Panda? Non, mais apparemment, pour se connecter, faut faire un truc d'IP et tout ça, quoi. Quoi? C'est quoi ce délire? Pourquoi je vois pas de solution à notre histoire? Je suis débile ou quoi? Il y a un alignement que je vois pas? Allô, le monde, comment... vous, hein? On dirait du BG World, ouais, ça... Ouais, j'avoue, ouais. Vous voyez un alignement que je peux faire et que je vois pas parce que j'ai les yeux d'une taupe, là, tout de suite, ou... Non, je crois qu'on est bloqué. Comment ça, on est bloqué? Bah, je peux plus... Je peux plus harvester, je crois. Ah, d'accord. Attends, on va essayer. Ressources is depleted. Depleted. Tu arrêtes! Tu arrêtes de me harasser, tu me houspilles! Tu me houspilles! Alors que je suis tranquille en train de ramasser des ressources, tu rends compte? Ça suffit de me houspiller. Ça, je peux. Ok. D'accord. Mais c'est juste que j'ai été nul, donc j'ai perdu. Apparemment, il faut aller dans Options et Network. Tiens, bon, ok. Mais attends, me dis pas que c'est que du coop local. MDR. J'ai l'impression. Non. C'est vrai? C'est pas vrai. Écoute, Maman est près de toi? Il faut lui dire maman! Ça caca pour toi! Bon, c'est possible d'arrêter de se faire défoncer quand on essaie de ramasser des trucs, s'il vous plaît? Non, sérieux? Tu crois que c'est que de la coop locale? Je regarde un tutoriel là, je suis en train de voir. Ah, tu regardes un tutoriel parce que tu es ça de... Tu es ça de panda! Et du coup, je suis niveau 2. Sat Panda est en train de jouer à Forge Quest. Oui, je le savais déjà, merci. Rien à faire ici. Du fric. J'ai gagné les potions. Non, mais c'est quoi ce jeu? Non, y'a pas que de la coop locale, c'est pas bien ça, faut pas faire des trucs comme ça. Allez! 3 jours et demi pour péter un bloc d'émeraude. Bon, arrêtez maintenant. Je me sens tellement riche. C'est toi qui me lâchais des bubules à la gueule là? Oui, hein, c'est toi. Putain, par contre. Ah. Les baisses, ça le font mal au cul quand même. Croque du trou. Oh là là, mais le truc de porc! Apparemment, on peut faire via Steam. Je crois essayer de rejoindre Poppy. Ah, Magritor Town! Ah, parce que j'ai coupé Skype aussi, voilà. Donc, attends, je vais quitter pour. Attends, parce que je poste. Tac, faut que t'ailles là-dessus. Non, t'as pas besoin de faire de manip. Ah ouais? Ouais. J'ai fait la manip pour rien du coup. Ah ok. Donc fais. Je te vois plus par reviens contre. Reviens au menu. C'est parce que j'ai déconnecté pour. Ah d'accord. Le chemin. Ah mais t'as trouvé? Ok. Vas-y, ouais. Dis-moi. T'es dans le menu là où il y a les options et tout. Oui. Tu fais loi de caractère, comme pseudo. Loi de caractère. Loi de. Oui. Loi de. Ah ok. Tu et seras bien aimable, tu veux loi de. Join Steam Friends et The Machin. Ah, mais c'est beaucoup plus simple! Parce que j'étais en train de prendre peur devant un tuto d'un anglais qui disait d'activer des. Oui, pareil.
Il dit oui, il faut faire forward porte, et là tu mets ça, et puis tu dis à ton pote de faire la danse de la pluie, puis après il y en a un qui fait la glisse du ventre sur le toit, et ça passe, tu vas voir, c'est génial. Ah bah attends, mais... Select an item. J'ai l'impression que je suis là... Magritor, je te vois. La pupille, elle est où? Je pense qu'elle est dans la forêt. Je suis dans le donjon. Ah. Je me téléporte. Vers toi, pupille. Wouh! Où es-tu? Je suis dans le donjon. Disons que leur menu est pas très intuitif, j'ai envie de dire. Coucou. Je comprends pas. Il faut combiner. Je suis dans Poppy. Il faut combiner les trucs. Attends, il y a une vilaine araignée. C'est quoi ça? C'est du loot? Non. Ça, c'est pour moi. Oh, craft. Ah, pourquoi j'ai des bombes, moi? Qu'est-ce qu'on va craft? Ah, mais d'accord, c'est en fait, je croyais qu'on pouvait looter. Mais en fait, on peut pas casser, ouais, c'est une forge. Combi. Attends. Learn. Forge. Mais d'où j'ai droppé tout ça? Choose the item to improve. Select one or similar. More similar items. Corresponding gems. Then choose combine. Ah d'accord, il faut avoir plusieurs objets identiques en fait pour... Ok, le mec il a... Ah c'est quoi ça? Ah c'est une table de craft. On peut se taper les uns les autres ou pas? Non, ça va. Cool. Ça va, c'est cool. C'est cool, ça va. Ça va, c'est cool. Mais comment vous... Pourquoi? L'argent c'est divisé en tout le monde ou pas? Je sais pas, j'avais tout ramassé là. T'as pu ramasser. Ah donc ah, d'accord, mais en fait tu utilises c'est déphasé. Tu utilises d'autres objets pour faire augmenter un objet que t'as déjà quoi. Attends, on va essayer. Moi je suis en train de faire ça, j'augmente mon bouclier de la mort là. Ah oui, ce que je vais faire. Mais ton bouclier de la mort il est... Donc c'est craft. Hein. Ouais. Et alors ok, et Bah, tu choisis l'arme que tu veux améliorer, et après tu dumpes dedans. Tu mets des émeraudes dedans. Okay. Non, pas des émeraudes. Si, les émeraudes, tu peux, ça rajoute des levels. Ouais, mais les émeraudes, tu les colles sur tes armes qui ont des emplacements d'émeraudes, comme ça tu l'as fait monter, tu vois. Combine. Parce que là, si tu les craftes là, tu vas les perdre, quoi. Elles vont se détruire dans le level up de ton arme. Apparemment, ils aiment les poules dans le jeu. Bah oui, mais c'est quoi la différence au final? Ça level up. Avec la rune, elle reste sur ton bouclier, elle lui donne un bonus. Alors que si tu la détruis dans du level up, ça fait juste monter le niveau de ton arme, quoi, tu vois. Je détruis tout. C'est pas une rune, c'est juste un objet. Moi, je la mets juste level 2, voilà. Comme ça, sera plus intéressante. Combine ! Ah, c'est un petit poulet qui craft ! En mode Robocop, mal au cou et grosse fatigue, et toi? Oh, ça va aussi, je suis fatiguée. Louf et l'autre belge, vous êtes présents à la Néocast ou comment ça se passe? Et comment tu les équipes, les objets sur les... Les runes? Ouais. Tu vas dans inventaire. Pourquoi tu dis des runes? C'est des gemmes. Oui, c'est des gemmes. Eux, ils appellent ça des runes, mais... Donc tu vas dans inventaire, tu choisis ce que tu veux et tu cliques dessus dans la fenêtre de droite. Tu cliques dessus dans la fenêtre de droite dans ton ordre. Il y a une fenêtre. En fait, si tu veux, à gauche, t'as une colonne, tu sais, avec tes armes, tes boucliers, machin, tout ça. Mais quand tu vas vers la droite, tu peux oui, les sélectionner. Okay. Ouais. Voilà. Donc tu sélectionnes, et là, il te dit... Un équipe, sockets, drop, comme ça. Voilà, c'est sockets. Sockets. Okay. Tu choisis, ah oui, mais tu il faut... Ouais, d'accord. Donc, genre, je peux... Tu vas sur la rune que tu veux et tu l'associes. Hein. Bah non. Il est pas d'accord, après, le jeu il est pas d'accord. Ouais, parce qu'il faut mettre les jaunes dans le jaune et les rouges dans le rouge. D'accord, mais des vertes j'en ai plein et quand je fais ça. Mais t'as des emplacements verts? Oui, sur mon armure. Ah bah vas-y. Bah il y en a pas, il y a zéro affichage en fait. Attends, j'essaie de regarder ce que tu fais sur le stream, ouais. Sockets. Ah bah parce que tu as pas de rune. Mais si, j'ai des émeraudes, c'est pas ça les trucs verts? C'est pas les émeraudes? Essaye avec toutes les armes, peut-être, parce qu'il y en a certaines qui vont pas sur certaines armes, je sais pas. Je crois que les émeraudes servent juste à faire level up et que tu dois avoir d'autres trucs à mettre. Bah oui, parce que là... Ouais, mais ça devrait marcher, c'est bizarre. C'est toi qui es bizarre. Mais non, mais attends, yo. Je regarde ton live, j'essaye de comprendre aussi. Ah ouais, là, on a plein. Ouais, triche. Bah non, j'ai juste pété des... Là je vais dans mon inventaire, tu vois. Je vais là où tu dis, par exemple, Laser Armor, il y a un emplacement vert, donc j'imagine que ça devrait être des émeraudes. Mais non, il a pas d'emplacement vert, ton armure, là. Mais si, ah, hein. Si.
Mais si, qu'est-ce que tu me dis non? Ah, est-ce si que je le voyais pas de... Ouais, il dit que non, alors que si, on est marre. Tiens, toi tu vas... Jeter des conneries. Tout combiné. Alors moi je crafte, enfin je crafte tout ce que c'était je peux une pour potion, vous le voyez. Petit non, madame, pas de nécasse, trop loin, trop de taf pour le moment. Chouin, chouin. Ça coûte quoi? Ça coûte de l'or en fait de crafter des trucs. Ah mince. C'est pas grave. Moi je crafte tout comme un cochon, mais ça fait tomber la thune quoi. Bah, en même temps, c'est pas grave, hein. Ça te coûte 10. C'est à qui l'or quoi? C'est à qui cette petite potion vide? Je l'ai jeté pour voir si. Pardon, ouais, mais par contre, les loots sont. Tiens, viens là, Panda, tu dois avoir des loots ici. Combine. Il veut pas venir, tant pis. J'arrive, deux secondes, ouais, tu vois, c'est ça. C'est ça que je te disais. Tu casses. Non, viens voir. Voilà, et ça donne des topaz. Okay. Tu vois. Attends, vous êtes où? J'ai peur, vous êtes où? Venez là, Pédalito! Venez là, petit panier! Attends, je vais essayer un truc pour voir si tu peux t'en... Est-ce que là, il y a du loot? 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 Est-ce que là, il y a... Mais... Ils se font des bisous, quoi. Merci. J'ai droppé une gemme, là. Au revoir. Là? Du loot! Ah, mais il y a du loot, là! Ah, bah voilà! Allez, viens. Et là, il y a du loot aussi? Où ça? Là. Là. Non, t'as pas de gemme? Tu vois comment il s'appelle mon perso ou pas? Si, je les ai vus. Il s'appelle Théodulax Mucrulux. Oui. Comment ça m'étonne? Il y a une araignée là, il y a une pute d'araignée. Une pute d'araignée qui jette des bulles d'eau, c'est... Ah! Elles sont pleines! Elles se sont divisées en plein de petites! Oh, il y a eu du level up là, j'ai vu. C'est pas moi. Piu. Oh, level up. Oh, Diablo Empire ou pas? Mais c'est Dark Souls, mix Diablo, mix Minecraft. Attendez, parce que du coup, je pense que je vais baisser un... Oh putain, plein de trucs! Plein de trucs! Plein de trucs! J'ai tout pris! Plein de trucs! Ouais. Option. Option, on va baisser un tout petit peu les sons, là, parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Hop, on va faire comme ça. Ouais, c'est... Ouais, j'ai une rune rouge! Return to game! Je vais augmenter ma... C'est très la choupitude ce jeu. Ouais, il y a un petit côté Cube World. C'est un mélange de plein de jeux en fait. Je trouve ça vachement sympa. Ah, je crois que c'est pour toi ça, Pop. Je te le donne. Attention, je drop. Si. J'ai c'est pas cool. Pris. Et j'ai une robe d'enchanteur niveau 2. Attendez, on va regarder ce qu'on a ramassé aussi. Parce que moi j'ai un peu fait la meuf. Je ramasse tout. Du coup, ouais, il faudrait que je réunisse tout ça. Moi j'ai pas ramassé grand chose, j'ai ramassé une paire de gants. Je vais retourner à la forge vite fait. Vas-y, moi je peux rien acheter en classe là, qu'est-ce qui se passe? C'était pas par là? Ah non, c'était pas par là. Il me dit, ouais, faut niveau 5 là, ta mère. Ok, il te dit, faut niveau 5, ta mère. Ouais, le traducteur est un peu bizarre, je t'avoue. Ouais. Traducteur, ta mère. Il est un peu vénère ton trad. C'est, en plus, le jeu a un accent très bizarre quoi, ta mère. Ta mère, le traducteur. Ah oui, en plus, il dit combien ça coûte. Eh mais vous allez 10 fois trop vite pour moi les amis là, vous êtes où que... Bah on est à la forge. On vient de dire... Eh, 10 secondes. Qu'il est con ce mec. Du topaz, du topaz, du topaz. Mais on dépense notre argent, on va aller en ville, on va avoir des trucs intéressants qu'on pourra pas prendre. Non mais c'est bon, des ennemis, tu tues 15 ennemis, c'est bon, t'as du fric. Vous voulez pas qu'on fasse un gros tour du donjon et on revient à la forge après quoi? Mais si, mais... Vous avez déjà fait un tour du donjon. Mais j'avais plein d'objets. Je sais pas, je suis arrivé. T'as de la place hein, pour les stocker, ouais, t'inquiète. Mais j'aime pas avoir plein de trucs, tu sais bien. C'est bien quand je suis dans oui, les jeux. Et là, je pense qu'on avancera mieux si on fait ça, quoi. Pardon, monsieur. Moi, j'ai pas trop devant, je suis en tissu. Moi, vas-y, j'ai la grosse armure, j'ai un gros bouclier niveau 2, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des trucs là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Attends, je suis attaqué par des aquas. L'argent des abonnés. Des poissons pourris. L'argent des abonnés, on arrive. Ça brille. Du fric. C'est quoi? Oh, mais ça, c'est un truc de craft, ça aussi. Hein. Oh, mais c'est un craft. Truc pour crafter des gemmes. Ah, c'est Discover, pour, ajouter des sockets aux armes, apparemment. Ah, c'est pour ajouter des chaussettes aux armes. Alors, on va leur rendre on va leur mettre des chaussettes. Ah, de sockets. Ah, oui, on peut choisir quelle couleur on peut mettre. Mais ok, mais moi, je comprends toujours pas comment on met des trucs. Ah, mais on peut pas en fait, ça coûte 200. Bah, quoi? Je comprends toujours pas comment vous faites les runes en fait. Mais les runes tu les ramasses. Mais j'en ai
Mais j'en ai pas trouvé encore pour l'instant, en fait, je crois. T'es sérieuse? Ouais. Zéro. Ouais, zéro, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une grosse araignée, là. Comme tu t'énerves. Je la bloque, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je te bloque. Alors. Tu peux pas commenter sur ma chaîne. Warrior, niveau 3, bah ça, on va l'augmenter, peut-être. Ah non, il faut être niveau 5, d'accord. Bah attends, tu veux que je t'entende? Gain plus 5 rage from hurts. Gain plus 15% shield health. Ok, je vais prendre ça. Ouf. Tiens, mon bouclier, il est devenu mauve, quoi. T'es un popi, viens là. Tu m'as donné des gants? Ou c'était pas fait exprès, les gants? Non, bah, on a tué un mob. Tiens, popi, tu viens devant. Je vais te donner une rune jaune. Mais j'en ai une de jaune, mais il me faut une violette et une verte. Il me faudrait une verte. Pour ça, je te donne. Mais je peux choisir peut-être de changer la couleur de mon... Elles font quoi les runes? Attends, elles sont rangées dans quoi les runes? Elles te donnent des bonus. Elles sont en général, elles sont en bas vers les accessoires et tout ça. Dans Quick Bar? Non. Non, descends. Tu vas dans Inventaire et tu vas tout en bas. Ouais. Et bah tout en bas, j'ai mes bottes. Dans mon inventaire. En fait. Tu vois? On peut faire des coups chargés. Ah, j'ai le tourbilol. Moi, mes runes, tout en bas, je suis désolé, mais... Accessories, ouais. Non, bah... Ah, mais c'est que t'as pas dû en dropper, hein, je vois. Ah, si, ok. Alors, ça fait quoi? Les jaunes, ça augmente le taux de critique. Ok. Ouais. Ok, cool. Donc c'est plutôt ça, moi, qu'il va me falloir. C'est plutôt du taux de critique. Tu n'es qu'un poisson! Tu ne contrôles pas ma vie! Ça brille! Ramasse tout! Pille! Casse-pille! Vite avant que panda arrive. Non, mais attends, moi ce que je comprends pas, c'est comment tu fais pour utiliser. Toutes les potions, quoi, en vrai. Bah, avec. Ouais, avec le plus, je crois, il disait, malgré le talent. Ouais, les ouais, par contre, les gemmes et les topazes, les rubis et tout, je sais pas à quoi ça sert encore. Ça sert à faire monter le level de tes objets. Ok. Ce que je te disais tout à l'heure et que tu me disais, mais non, faut pas lui dire. Excuse-moi, j'avais mal compris. Je suis désolé. Quand tu les combines, en fait, ça. Parce qu'en fait, je pensais qu'on se comprenait pas sur le terme rune et. Oui, je croyais aussi. C'est ce que je croyais aussi, en fait. Mais comme j'en avais pas encore. On a tout visité avant. Non, il manque un petit bout, mais elle est descendue, viens, on la rejoint. Non, mais c'est bon, je suis remontée, t'inquiète pas. Moi je te lance des petits couteaux hein. Par là il y a un truc. Ah ouais? Et à droite? Tu me lances des petits couteaux? Ouais, je te lance des petits couteaux, j'ai pas peur. Si je te protège, je m'agrippe, vas-y t'as. J'ai pas peur moi. Eh les araignées! Bouclier, qu'est-ce qui se passe? Devenu mauve là. Méga niveau de la mort. Oui. Plein de trucs. J'ai ramassé des trucs intéressants ou pas? Alchimie bombe. Moi je trouvais des bombes. Attends, juste une seconde, je vais tweeter vite fait. Tu vas tweeter pour dire qu'on est encore là? On est encore là, venez. On est dans la place. 11% average damage reduction at level 3, ouais, j'ai looté un nano. 4. Oui, ouais. Ouais, le mec il loue des anneaux, tranquille, la chatte. C'est un nano cac, je le lâche par terre. Je le prends. Comment je l'équipe? Ah oui, équipe. Et sockets. Alors. Voilà. Arrêtez, parce que chaque fois, moi, j'arrive en retard et du coup. Attends, mais mes bottes, elles étaient pas équipées depuis tout à l'heure. Ok, très bien. MDR. Vous avez quoi comme type d'armure, vous? Du cuir. Parce que là, j'ai une armure renforcée avec un emplacement de gemme qui est niveau 2. Je crois que c'est du bleu, donc si quelqu'un veut. Je drop. Du violet, mais puis elle bim. S'est jetée dessus. Parce qu'après, j'ai que du blanc, c'est de la merde. Ça va, c'était un truc de cac. J'avais le droit de me jeter dessus. Je regarde si. Oui, et on a tout fait. Je peux vous donner mon anneau si vous voulez. On a tout fait là. Je peux vous donner mon anneau. Non, c'est bon, j'en ai un. Gentiment offert par, par Magritor. D'accord, bon, mais je le garde alors. Ok.
Du coup, on a tout qui est visité. Ouais, ouais, on a tout visité. On peut descendre. On peut descendre et il y a un point de téléport, on peut aller en ville. Mais fou. On peut y aller de suite, non? Fausse belge. Oh, je sais pas ce qui se passe dans le chat, mais j'ai lu fausse belge. Moi, je vais... Si ça vous dérange pas, je vais aller faire un petit tour en ville, justement, pour voir s'il y a des trucs intéressants. Ah, une gemme. Ah, tu veux pas qu'on finisse ce donjon, d'abord? Bon, d'accord. Ça brille, en plus. Qui t'a dit que ça se trouve, il est pas finissable, le donjon, hein. Je dis ça, mais... En fait, j'ai compris que les potions, tu peux les équiper comme tu veux, mais t'as pris n'importe où comme un sac et ça marche très bien. N'importe où. Qui c'est qui m'attire dessus, là? En multi, c'est sympa. C'est le poisson. C'est le bâtard d'enculé. Ah oui. Poisson, là. Ah ouais. Bouclier. Poisson. Attends, ton pilol. Je suis le poisson. Ah, putain, mais tu peux faire du hard juggle avec lui, quoi. Poupier, mais, par seul. Mais c'est le poisson là, il me cherche. J'ai l'impression de faire de la dubstep quand je casse des objets quoi. Je sais pas pourquoi j'ai passé mon temps à autant customiser mon bouclier, maintenant c'est un bouclier de porc, je m'en sers jamais quoi. Parce que t'es comme moi, t'es un bourrin. Je sais pas pourquoi t'as pris une classe tank alors que t'es un bourrin. Parce qu'en général sur les MMO je joue tank et je sais pas pourquoi. En fait j'aime bien parce que les ennemis on s'en bat les couilles mais par contre les gemmes on y va quoi. On agresse les gemmes quoi. Les mecs ils ont tout compris à la vie. Bonjour. Bienvenue à toi Saltios. Saltios il reste pile au moment où je dis bonjour. C'était pas mal quand même. C'était bien. Joli. Ah oh, mais c'est toi qui fais des boulettes de feu comme ça. Oui c'est un warlock. Ah, comme la chanson des Red Hot Chili Peppers. Coucou Mandalors. Tu l'as tellement dit avec l'accent du sud que j'ai cru que tu t'avais dit Mandalors. Ah bon. Mandalors. Je vous savais pas proche. Et si je te mets des coups de bouclier là. Il y a un poisson qui me tire dessus. Et moi je suis tranquille en train de casser une gemme. Une fraise de fleur ou je sais pas. Fougère. Fougère du bonheur. Poisson de merde. J'arrive. Tu es le poisson. Bilal. À moi les gemmes. Les petits poissons. Bon, j'imagine que c'est le premier donjon donc c'est facile. J'espère. Parce que là si déjà à 3 on roxe tout, c'est un souci. Mais ce qui est bien c'est qu'on se fait pas de. On se fait pas de friendly fire donc on peut vraiment bourriner. C'est plutôt pas mal. Heureusement, t'as vu le nombre de coups qu'on balance quoi. Vous avez visité en bas? Il y avait des trucs? Oui, il y a des ennemis. Ouais. Non mais vous êtes. Parce que tout à l'heure vous êtes. Ah venez par là, il y a une salle avec des araignées et un coffre. Venez. Bah attends. Là. Oula, on se fait tirer dessus, mais c'est toi j'imagine. Oui, c'était moi. Tourbillon. Ça balance, ouais, level up. On est tous niveau 4, ouais. Oh, j'ai ramassé une clé, un parchemin. Il y en a encore une, là. Attendez, j'ai ramassé des trucs bizarres. Des bombes. Oh, il est joli celui-là. Je vais le. Je vais faire level up. Je vais l'équiper et après je lui mettrai tous les petits copains. Plus ça, mais du coup, 46 3, 40... En fait, l'arbre de progression est très bizarre parce qu'il t'oblige à. C'est pas mal ça. Il t'oblige à monter dans un ordre logique, tu peux pas faire ce que tu veux en fait. Et les bobottes. Enchanted shoes. T'as trouvé du matos de ouf. Oh, putain, un arc level 3. J'ai trouvé des trucs, mais pas pour moi, je pense. Ah, mais tu. Oh putain, on peut pas déséquiper les runes une fois qu'elles sont sur les 3-2-2, 3-2-2, ouais. On remarque mon bouclier. Je pense. Je peux porter un petit chapeau. Qui me servira à rien. Voilà, j'ai deux runes moi, dans ma bague. Il me faut du plate de ouf. Et j'ai une rune bleue. Et la rune bleue. Non. Quelqu'un veut, j'ai une rune rouge en rab. Ça intéresse quelqu'un? Oui, moi je veux bien si tu t'en sers pas. Attends, j'arrive. Non, j'en ai pas besoin. Je te la donne avec bonheur et plaisir. T'as vu? Je trimballe une porte, tout va bien. Ok, du coup je peux la mettre sur mon bouclier. Alors, régénération et vol de vie ou vol de mana, je ne sais pas.
Mais... Attends, pourquoi j'ai du mana? Parce que t'auras des pouvoirs plus tard, peut-être. Ah, la gâchette gauche est pour te téléporter en ville. Ah bon? Non, laisse tomber. Non, pas du tout. Par contre, j'ai un nouvel arc. Qui c'est qui fait des petits bruits Je peux spammer deux attaques en même temps, du coup. Cet homme est un enfoiré. Il peut spammer deux attaques en même temps, quoi. Bon, par contre, le serveur, il rame, quoi. Le serveur, il rame? Ouais, je sais pas si t'as remarqué, quand tu ramasses un objet, des fois, ça le prend pas de suite. Non, ça, j'ai ça pas... Ça met un petit temps... Je t'avoue que j'ai pas remarqué. Ça! Un gros caillou. Voilà, Harvest. Allez, c'est parti pour du BJ World. BJ Root. Oh, ça marche. C'est quoi, ça? Oui, mais tu vas voir, à un moment donné, t'es bloqué, en fait, t'es obligé de faire B pour sortir, parce que... C'est bon, c'est quoi, ce truc de ouf? Ah oui, on se fait tirer dessus. Attends, je vais lui casser la tête. Faut être intelligent dans tes déplacements, en fait, de manière à pas te bloquer, pour en ramasser un maximum. Il faut être intelligent. Il faut être intrépide. Faut être savoureux. Quoi, je peux pas jouer? Si. Ressource, il dit... Ah, vous l'avez tué, super. Bah non, ouais, attends, on en est... Je suis dessus. Mais non, c'est que t'as dû aller dessus, et puis t'as fait B pour sortir, et une fois que t'as fait B pour sortir, c'est trop tard. Ah ouais, mais il y avait un ennemi qui nous tirait dessus, tu vois, moi j'ai préféré penser mais à la communauté. Il te touche pas quand t'es dans le truc de gel. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Ok. Je suis sûr que je l'ai fait tout à l'heure, en fait. T'es vraiment, vraiment sûr? Oui. Est-ce que je me suis pris un dégât parce que j'ai tapé dans une boîte? Vous êtes sérieux? En bas, il y avait du fric et des cœurs. Je sais pas, je suis encore dans le machin à faire des choses. Moi je dis pas, mais j'ai trouvé une salle avec plein de loot. Ouais, bah pareil que moi, en fait. Ouais. Elle m'a trouvé. Ouais, mais les loots sont phasés, en fait. Donc, je peux pas te voler tout loot, en fait. Ah, tout loot? Tout loot ou tout loot pas? Ah, roulade! Ah, je suis dans une petite pièce. C'est pas ce que je vais faire. Attendez, parce qu'en bas, je crois qu'il restait des petits endroits où on n'a pas été. J'arrive. Salut le slime! Tu vois? C'est comme dans Minecraft, tu fais des petits. C'est quoi ce Gatling que t'as? C'est mes dagues. C'est mes dards, j'allais dire. Genre, monsieur le poisson. C'est des dards. Un coffre. Oh. Là, il y a surtout un poisson en fait. Là, il y a beaucoup d'araignées surtout. Ouais, bah vous partez à l'aventure compagnon sans moi alors, c'est bon? L'aventure, compagnon. Mais tu vas mourir! Putain, je vais mourir. On est un mur à côté de toi. Ouais, j'ai vu ça. C'est pas grave, hein, je. Je suis seul et abandonné de tout ça. On arrive! Et encore heureux qu'elle parle pas, ma balance, elle est suffisamment désagréable comme ça, ma pauvre loup. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous tout. Nya 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 nya. Ah, miam 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 miam. Oui, bah c'est pas dégueu ça, c'est petit jeu. C'est par là qu'on est arrivé. Ah, matin, il y a un coin qu'on n'est pas allé voir là. Oui, je sais. Je disais tout à l'heure, je vous disais qu'en bas on avait pas tout. On avait pas tout déniapé. Déniapé. Oui. Petite pensée à Pika quand je dis ça. Comment on affiche la map déjà? Je sais pas, moi je regarde. Oui, tout en haut à gauche, on a rien fait en fait. Oui. Oui. En fait, il faut cliquer sur le stick droit pour afficher la map. Ah oui. Ouais, donc il reste que tout en haut à droite en fait, ouais. Allez go, en avant. En avant. Tac tac tac, banga. Non, par là on peut pas y aller, ouais. C'est vrai. Ah oui, non. Allez hop, on y va. En route pour l'aventure. Comment t'as fait pour le rejoindre de là-haut, toi? Il y avait un petit chemin. T'es sérieux? Ouais, il y avait une petite trappe. Oh, les enfoirés, genre le pixel, quoi. C'est ça. Le pixel où ça passe. Bienvenue à toi, Black Shulk. Oui, oui, oui. Bienvenue. Oui, oui, oui. Quand est-ce qu'on peut courir plus vite? Je crois qu'on est au max. Descendre. Ouais.
Des monstres. Un poisson. Poisson pourri. Un petit poisson. Y'a plus rien à taper, mais je tape! Ça fait monter ma rage. Attendez, parce qu'il y a une plante qui se croit tout permis là. Voilà, deux en un. C'est comme ça qu'on fait. Oui! Putain, mais en fait, t'as trop l'impression d'être riche dans ce jeu, parce que tous les deux mètres, tu ramasses des trucs quoi. Bon, on va. Eh, trop de trucs! Hein. Là, salle des coffres! Ah oui. Faut t'en suivre les salles de coffres. Du fric! Poignant! J'espère que le prochain donjon sera un peu plus coriace quand même, parce que. Bah en même temps, vas-y. C'est un donjon de bas level, on va pas faire les foufous. Donc. Ouais, mais on est bas level aussi, tu vois. Le slime il s'est enfui tellement. Ouais, il a essayé de vous attaquer par derrière de manière subreptice. Je vais pas du tout vous attaquer, hein. Vous m'avez pas vu. Je m'en vais, hein. Tu vas acheter du pain. Il a essayé de nous attaquer de manière péremptoire. Est-ce que tu peux mourir? Tu n'es qu'une fleur. Un jeu. Les fleurs, elles empoisonnent ou elles ouais. font... Ouais, alors comment ça marche? Alors. C'est comme les jeux mobiles. Je comprends pas, en fait. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Comme Candy Crush. Pourquoi un seul? Je comprends pas. C'est pas logique, des fois, à ce que tu gagnes par rapport à ce que tu fais comme mouvement. Très bizarre ce mini-jeu. Mais ça marche, j'aime bien. Moi, je trouve pas ça bizarre. J'ai l'habitude de ce genre de conneries aussi, mais. Quand tu non, mais je veux dire, ce type de mode de jeu dans un truc comme ça, ça. Moi, je trouve ça rigolo parce que du coup, tu peux gagner plein de gemmes. Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Pour l'instant, je vais aller en voler d'autres. Tu peux pas les voler. Tu es bête ou quoi? Ça y est, j'ai tout ramassé. Turcure. J'ai la soif. Piou, c'est fini avec mon phaser de Star Trek. Je suis tellement un punk à moustache, j'ai trop l'impression d'être serviette ski là, tu vois ou quoi? Est-ce que tu vois ma gueule? Ça voit ta gueule. Ah, on est déjà. Ah, il y a un truc là. Du fric. Coucou. On est invité au bal masqué. Oui, oui. Oh putain, ils sont costauds. C'est pas des copains. Eux. Ils me bloquent l'entrée. Ah, il y a Excalibur. Il y a un monsieur qui est en train de. C'est un gentil, mon monsieur. Ah non, c'est juste un. Je sais pas, je tape. C'est un forgeron. Well, my job is done here. If you make it back to town, feel free to visit my shop. Ok. Sword Altar. Non, l'épée. Ah bah je l'ai. Qui l'a pris? Magritor. Ça va. Ah mais d'accord. Ah bah, on peut tout en une en fait. Je la veux. Attends. C'est une vieille épée de merde. C'est une épée verte. Bon, ouais toi, mais c'est l'épée de l'histoire, c'est bon. C'est... Eh putain le mec il m'a... Ah oui. Ça. On remarque qu'il est vert level 7, ça va. J'ai pas vu son niveau. On n'a pas, pas fait toutes les salles par contre, je suis pas d'accord. Allez. Mais elle est bien cette épée ou pas? Bah elle est déjà c'est trop HL convention. Pour toi donc voilà. Sérieux? Bah oui. Tu es à niveau 7? Waouh. Je peux la mettre. Tu peux la mettre? Ouais. Mais elle est level 7. T'es niveau 4 normalement, tu devrais pas pouvoir la mettre. Je peux même mettre une rune, voilà. Pour la peine. Ah, elle est toute moche comparée à la mienne, mais elle est beaucoup plus forte que... C'est très bizarre. Vous êtes partis où, les enfants? Bah, moi, je finis le donjon. Ouais, ouais, mais vous êtes à deux endroits différents du donjon. Mais si c'est comme ça, je pars tout seul. Non, venez! Il y a des poissons, des méchants poissons. Ils vont me tuer. Pour de vrai, ils vont me tuer. On arrive. Attends, on a vu de l'or. On arrive. Attends, on a vu de l'or. Il y a de l'argent. Ah oui, l'or d'abord. De maison du café. Allez, on arrive. L'or d'abord, les copains ensuite.
Il y a de l'ordre aussi. Bah, je vous donnerai pas, les vêtements de que j'ai trouvé pour. Je suis là, regarde. C'est pas grave. Coucou. Non, mais c'est pas grave. Reviens ici, le poisson. Reviens ici, qu'on t'a dit. Il y en a un deuxième. Je sais pas où il est. Il est où? Il est peut-être mort, en fait. Il est là-bas. Ça, c'est le jeu où, en fait, tu bombardes et ça passe. Comment je fais pour vous donner des objets? Je fais drop. Dans l'inventaire. Tout ce que je drop là, c'est pour toi, Magri. Hein. Ah bah tiens, j'ai un bouclier un peu sympa niveau 3 là pour vous. Et une armure sympa. C'est ça, tout, c'est tout pour que tu puisses... Ça c'est du caca. Que tu puisses... Tu puisses ça, les... Ça c'est pour vous plutôt. Tu puisses les mettre ensemble là, comment il disait le truc. Et les fusionner. Les fusionner, ouais. Est-ce que je peux la porter l'épée? Moi je l'ai mis, hein. J'ai équipé une rune et ah tout. Ah oui, ça marche. Donc en fait, le level, on s'en bat les couilles, en fait. C'est génial. Sockets. Je les ai droppés des trucs, là. Ok. Ensuite, là-dedans, sockets. Oui. Oui. Ensuite, sockets, sympa, des là. Vertes. J'en ai pas encore, des runes vertes. Ah ouais, l'anneau, il me retire 32 de vie pour 6 de mana. C'est un oula, peu c'est quoi tout ça? C'est pour moi? C'est moi qui l'ai posé, c'est des armes un peu plus sympas. Ah oui, des laser armor et tout. Ça me sert pas, moi. Moi, il me faut du plate. Bah, j'en trouve pas encore du plate, mais... Mm-hmm. Pas dead. Pas dead armor. Pas dead bracers. C'est pas pour toi, ça, c'est pour les nains, je crois. On aurait autant d'Excalibur. Je suis déçu. Ring of Earth. Ah, on peut emporter qu'une de bague, tu crois? Ouais. Ouais. T'as qu'un seul dos. J'ai qu'un seul dos. Merde. Quelle vie de merde quand même. Il y a un coffre. 8, 6, 6, 10, 7, 7. Et bah. Équipé. Sockets. Et j'ai plus de runes en fait donc. Vous êtes parti sans moi. Oui. Oui, je t'attends. Vous déteste. Yo my gun. Putain, ça fait longtemps. Vous êtes passé. Fallait passer par la gauche peut-être pour pouvoir. Ouais. Ok, pourquoi j'ai level up? Sans tuer déjà. Ah, mais c'est commun en fait l'XP, d'accord. Tu crois? Ouais, ouais. Bah oui, je suis pas avec vous, je suis en train de marcher tranquille dans un couloir et j'ai un level up, donc oui, je pense. Vous avez fait 300 pas, level up. Bravo! Vous arrivez à respirer. Par contre, on ramasse des. Vous avez remarqué que des fois on ramasse des clés, on ramasse des rouleaux. Je sais pas ce que c'est les rouleaux. Les rouleaux, c'est des bonus, mais je sais pas trop comment on s'en sert. J'ai peur. C'est une forge, calme-toi. Ouais, on va pouvoir forger à mort. Allez, c'est parti pour forger des trucs. Ah oui, effectivement, tu peux mettre des... Ah, j'ai trouvé un... Tiens, ça c'est pour toi, Magri. Ah ouais. Ouais, ouais. Vas-y, je vais faire un arc de bourrin de l'extrême, quoi. Je vais tout mettre, mais ils me disent 3000 en coup. On va éviter. Je te pose des trucs, Magri. Ah oui, j'avais oublié ce petit facteur, là. Du coup, tu calmes très très vite ta joie. Ah, j'ai une Ring of Rage. Inventaire, c'est 50 sur 500. On peut avoir 500 objets sur nous. Ah ouais, en fait, ça coûte alors... super cher de faire monter tes armes. Je pense que le mieux, c'est de faire ça avec des trucs intéressants. C'est là, on le fait avec des... Genre mon bouclier, ouais. Voilà. Bon, moi, je le fais sur la sword, là, parce que... Je suis pas sûr que ce soit très utile de faire monter le level en fait. On verra. Faudra avoir en ville si on peut les vendre au forgeron. Ah, si on peut vendre les gemmes et tout, ouais. J'aime utiliser mon marteau sur ton enclume. Ok, l'autre belge. Ah oui, Elite a manqué, le chat ici il est très sympa. Le chat ici est très sympa, nous avons de très gentils. Un très joli noyau de communauté. Parce qu'on les chouchoute. Qui ont la pêche, donc on les appelle les noyaux de pêche. Allô ?
Salut Borensac, je ne sais toujours pas comment on dit ton pseudo, je suis désolée si j'écorche. Borensac. Borensac. David Borensac. On peut stocker notre bordel dans le coffre. Ah, moi j'ai tout stocké. Je n'ai plus d'or, j'ai la merde. On peut stocker dans le coffre, c'est-à-dire que c'est un coffre qu'il n'y a que nous qui pouvons aller dedans, c'est ça que tu veux en train de dire? Je crois, je suis en train de tout mettre. 4-2-2, 4-2-2, 3-2-2, 2-2-2. Ok, on va essayer de faire monter le Leatherwood. Mais je sais pas si ça sert à quelque chose de combiner. Attends, je vais regarder après si ça a changé les stats. Ah, disons que je m'embêtais à combiner pour mon bâton et que tu m'en as donné un meilleur. J'ai dépensé 2000 gold pour rien. Non, j'ai l'impression que ça sert à rien. Pas l'impression que ça serve à grand chose. En fait, après, c'est on combine avec des armes level 1, donc faut avoir plus tard. Je suis en train de prendre très très cher dans la mouille. Ah, mais t'es parti. Mais en même temps, t'avais qu'à pas partir tout seul. Voilà. C'est bon, je les ai tués. Salut Tony. Des poules. Oh, y a des poulets. 4-2-2, 9%. Non, ça non, change juste. On va jeter ça sur Poppy. En fait, ça change juste le level de tes trucs, donc je sais pas. Je vais essayer de combiner des rings. On va voir si ça... Tiens, Poppy, des poulets. Ok, merci. Je vais tout lui ramener. D'accord. Je vois pas ce que vous faites, hein. Vous faites des bêtises, mais je vois pas ce que vous faites. Ils sont disparus. Ils sont restés là. J'ai pas l'impression que ça change grand chose, non, effectivement. Mais c'est nul. Je sais pas quoi ça sert de combiner, alors. Par à perdre du fric. Ah, mais level up. Non, mage. Pas barbare. Vous êtes parti par où alors? Parce que du coup vous avez dû foutre du fric partout, voilà, genre là. Bon. J'ai encore trouvé une clé. Oh, j'ai un shield. Je brille tout bleu même. Ah ouais, vous êtes vraiment parti à l'aventure quoi, vous avez découvert toutes les pièces. Une clé, encore une clé. Du coup ouais, tout l'étage est clean, faudra qu'on pourra descendre. Ouais. Encore une clé. Je sais pas à quoi elles servent les clés. Attends, il y a un petit coin de l'étage non qui a pas été. Ah oui. Start. Class. Warrior. Ah, je peux vous donner mon bouclier. Yep. Comment ça? Ah oui. Tu vois pas une bulle autour de ça? Si. On fait quoi du coup? On descend enfin... C'était où là? C'était par où le bas? Il y a des trucs ici où il y a une gemme? Une gemme qui est. Par le haut le bas. C'est par le haut, le bas? Oui. Très bien. Anaving! Oh, c'est rigolo, ce petit jeu. Moi, je trouve. Oh, c'est là. Hop. Mais c'est pas de là d'où on vient? Non, faut rentrer, René, maintenant. Il y a des boss. Mais non, on descend, là. Ah, il me semblait que c'était un boss. De là où on est arrivé. Oula, il y a un gros boss. Mégapède! Ça me fait vibrer ma... Je peux rien faire, en plus. Mégapède, mais... Oui, c'est normal, c'est parce qu'on n'était pas tous arrivés, je pense. Ah, oula! Ah, il faut taper le cul là. Tape-moi le cul. Il est un peu nul ce boss. Non, c'est Snake quoi. Bah, il a l'air un peu. C'est un peu Snake mon gars. Ça, c'est du. Ça me rappelle un des premiers boss de Zelda. Zelda sur Super NES. Ah! Tu m'as pas vu, salaud! Ah, ça y est, il s'est invoqué. Même si il y a des œufs d'araignée de partout là. On les ignore copieusement ces œufs. Oh, les œufs là, ils sont tout pétés. Ok, je me suis fait écraser contre un mur, c'était pas sympa. Ah, un peu plus violent le boss. Il y en a qui font du gros dégât critique là, je sais pas qui c'est. Mais... Viens ici! J'ai plus de rage, faut que je tape des trucs. Elle a tenté une fusion avec un mur. Grave. En même temps, c'est le premier boss, c'est peut-être normal que ce soit un peu du caca, mais... Reviens! Panda, tu fais des attaques de zone? Oh, je suis jalouse. Des attaques de quoi? Tu fais des attaques de zone? Oui. C'est mon tourbillon. Mais pour... Si tu maintiens le coup d'épée, c'est une attaque de zone. Ah bon? Ouais. Ok, pourquoi on peut pas bouger? Ah, ça y est. C'est pour le RP. On peut encore descendre.
Il y a une zone pour retourner en ville. On retourne en ville vite fait pour voir ce qu'il y a. Ouais. Allez, town. Téléporte. Tout. Salut Dimut. Salut à tous ceux qui arrivent de je sais pas où. Ouais, il y a une très grosse influence Zelda. Il y a une grosse influence Cube World aussi au niveau du. Oula, Magritte, j'ai un bâton de feu niveau 2 si tu veux. Vous êtes en ville là? Je veux bien. Ouais, je suis dans la forge. Ah, mais je crois que vous êtes dans votre ville en fait, non? Vous êtes dans ma ville. Ah non, je suis avec Magritte aussi. Ah d'accord. On kidnappe le forgeron. Il a quoi à vendre le forgeron? Des armes. C'est pas vrai. Ouais, ah, des trucs tout pourris, mais je lui vends tout ce que j'ai en fait. Ouais, par contre, si les gens pouvaient éviter de se connecter sur Steam quand j'essaye de lire les menus, c'est cool. Par contre, il est où le coffre où j'ai tout mis? Dans c'est un peu l'arnaque si j'ai mis dans un coffre random. Ah, il y a une taverne. Ouais, si t'es obligé de retourner au coffre précis du donjon précis où tu l'as laissé, j'avoue. J'avoue, c'est un peu pété. A big metal sword to go with a big metal suit of armor. Je crois que j'ai une épée pour toi, Vanda. Ah ouais? Ouais. Cool, cool. Il me raconte sa vie. Je sais pas si je combine ou si je. Non, je vais vendre, on s'en bat la race en fait. À moins que c'était notre maison, ça. Ah bah oui, bon, c'était notre maison, là on s'est réveillé. Du coup, c'est notre coffre. Tout en bas à gauche de la ville. Ok. 4-2-2. Putain, mais les clés ça sert à quoi? Peut-être qu'il y aura des coffres. Toi aussi t'as plein de clés? Apparemment, ouais, on aura des trophées. Attends, tu m'as dit que t'avais une épée meilleure pour moi. Hein. Bah, je sais pas si elle est meilleure pour toi, mais je crois que c'est une épée qui est pour toi. Ok. Vu la définition. Tiens, tu me diras ce que t'en penses. The Panda Sword. The Panda Sword. Je voudrais la prendre, s'il vous plaît. J'arrive pas à la prendre. T'arrives pas à la prendre? Bah, faut faire A. Ah, je savais pas. Okay. Pour la ramasser, il faut faire A. Ok, ok. Non, la mienne est mieux pour l'instant. Bah, sers-toi-en pour ce que tu veux. Ok. Les bombes, on peut les combiner. Mais c'est une arme secondaire, mais moi, perso, je les garde pas. Non, on voit les objets des autres qui sont vendus. Tu vois les objets que je suis en train de vendre, là, c'est ça? Bah, vu le bordel qu'il y a... Ouais, c'est ça, tu vends des têtes, là. T'as vendu des têtes. Ouais. En fait, on voit niveau, tout le bordel qu'on a vendu. C'est plutôt que le donut... Ring of Reduce, Magical Damage, ça, je vais te la donner, cette ring-là, parce que je pense qu'elle peut te servir. Les potions, je vais les garder. Portal Scroll, je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est des élytres. Quoi? En fait, les rouleaux qu'on a ramassés... Mmh. Les Portal Scrolls, c'est des élytres. C'est un truc qui te permet de téléporter de là où tu es vers là où tu veux. Ah! Ok. Use to open locks. Ok, et les clés, elles servent à ouvrir des coffres ou quelque chose du genre. D'accord, très bon. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, j'ai appuyé sur la gâchette gauche et ça m'a mis un téléporte. C'est que j'ai dépensé un truc pour rien, en fait. Ouais. Voilà. Tiens, tiens, Magri, je pense que... Ça peut t'intéresser. Putain, mais à quoi ça sert d'acheter des costumes? Oui, quoi, on vous fait gagner dans 3 quarts d'heure, on vous fait gagner la clé qu'on avait en trop. Donc si ça vous intéresse de gagner cette clé, on va trouver un moyen de vous la faire gagner. Je sais pas encore comment. Bonjour. Ok, je suis en train de parler à un clodo. Trop bien. Bonjour. Tu es un lapin dans une échoppe. Oh, c'est dégueulasse. Ah non, on peut acheter des pets. C'est une poule dans une échoppe. Où ça? Tu t'as un petit poulet avec de la dynamite qui saute sur tes ennemis, ça, mais au dragon, je sais plus quoi, mais dragon ça corset. Coûte 3000 pièces, quoi. C'est pour ça. Ah, dragon corset. Chop. Putain, la poule, casse-toi. Ah ouais. Elle me bloquait la porte. Costume et tout. Bonjour. Chop. C'est moche. Je peux avoir une boîte en carton sur la tête. Ah super. Ah ça, c'est du costume de qualité. Ça coûte cher ou pas? 3000 gold. 3000. Alors le fromage il coûte 1000 gold, mais la boîte en carton 3000. Hein. Ah, un livre. Cobalt Warrior. Un dragon.
Cheese hat. Oh, rigolo. Tu peux mettre une casquette. C'est un peu cher. Hein. Ouais, mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu vas faire d'autre de ton fric? Un pet book. Pet turtle. Pet chicken. Pet dog. Pet dragon. Pet hawk. Fierce predator that will fire sharp feathers at your enemy from a distance. Et tu coûtes combien? 2000. Ah oui, 647. On reviendra. Coûte cher, hein? Oui, bah écoute. Pas cher, pas cher. J'ai vu du roux, ouais, c'était une des têtes avec laquelle j'hésitais. Comme ça, si j'en ai marre d'être. Si j'en ai marre d'être serviette, et bah je pourrais changer de perso. Et ça, c'est quoi? C'est un bar. C'est la sorcière, elle te vend des potions et des choses comme ça. Et elle peut te guérir aussi. Je peux pas lui vendre mes potions à moi, que je vais pas m'en servir. Donc en gros, il faut choper de l'argent à mort pour pouvoir s'acheter des pets, c'est le but du jeu. C'est ça. Des pets. On va s'acheter du pétou. Moi je veux mon petit poulet dynamite, hein. Je le dis. Il explose et t'es obligé d'en racheter un pour l'avoir. Voilà. Enfin, franchement, si tu peux t'en servir qu'une fois, ouais, j'avoue, ça me fait péter. Non, je pense pas. 3000 pièces d'or pour un poulet qui explose, merci. Ça porte des corsets, les dragons. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ok, et sinon, il y a quoi d'autre à faire en ville à part ça? Rien. Et c'est tout. Tu vends tes trucs et tu craftes et voilà quoi. On fait quoi? On retourne au. Ouais, on va essayer au donjon niveau 4. On va avancer le donjon. Level 4, c'est ça ou 2? Ouais. Attendez, je veux juste m'acheter une casquette de la mort. Pour le swag. Ah oui, d'accord, t'as un tourbillon tout pété. Voilà. Je peux faire ça. Ah, mais c'est 2000! Descends, moi, oh, c'est 2000 gold la casquette, mais c'est bon, faut être riche pour porter des casquettes. Earth Dungeon level 4, c'est ça. Du coup, t'es descendu? Ouais, je suis avec ma grille. Comment vous m'attendez même pas, bande de bâtards? T'arrives quoi, toi? Il t'arrive quoi? Tu te calmes, tiens, je te pète les dents. Les gemmes, ces ennemis redoutables. En fait, je vois pas trop l'intérêt de faire level up tes armes si à un moment donné tu lootes du mieux, quoi. Bah, c'est surtout c'est bien de les faire. C'est surtout l'impression que quand tu les fais level up, ça change rien. Alors peut-être qu'il faut les faire level up. Bah, elle tape un peu plus fort, mais. Peut-être les faire level up un certain nombre de fois pour que ce soit intéressant, mais je sais pas. Bah, je pense que c'est uniquement intéressant dès le moment où tu lootes des armes roses, pardon, c'est le niveau le plus. Là, tu les fais level up, mais sinon ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est de la perte de ressources. Vous suce. Tout ça parce que vous êtes rentré dans le donjon avant moi, vous avez level up avant moi. Quoi. T'as pas level up là? Bah non. Ouais. Là j'ai level up. Tu vois. Ok. Ouais, tout ça pour que vous commenciez avant moi et que vous levez le pied avant moi et que je passe pour une bolosse. Bah merci les gars. Victim France. Fais le mec qui brasse. Vas-y, la chauve-souris, comment elle fait trop la rebelle, genre nanana. Vous m'aurez pas. Je suis plus balèze. Une chauve-souris, je suis plus balèze. Bon, ok. Là, une pièce. D'où tu m'attaques à travers la pièce, toi? Ah, tu t'es cru où? Pris la confiance, là, que sûr, là. Je suis venu piller ton fric, moi. T'es tranquillement installé et moi je suis venu en mode bref, je ramasse tout. Je sens. Ah, j'ai cru qu'il allait se relever le. Oh oui, il y a du puzzle. Attends, c'est le premier puzzle. Attends. Attends. Quoi? Il y a des clés. Ça veut forcément dire quelque chose. Comment t'as fait pour le bouger celui-là? Puis sur. Sur. Ah, les clés sont là. Sur. Ok, attends. Vous voulez pas tuer l'ennemi? Sur A. Sur A. Bah non, je fais A et ça fait rien. Ah si, ça y est. Bon bah c'est... Voilà. Ah oui. Ah, c'est bon. J'ai compris que je t'ai bien fait chier là. Vas-y, pousse celui-là du haut là.
Un coffre? Quelque chose? C'est rien passé. Vers la porte. Ah d'accord, super. Là. On n'a pas eu le bon mot de passe, on n'aura pas les boyards. Je laisse passer devant. Attendez, il y a une pièce. C'est bon. Ah non. Ah non, en fait c'est nul. Il y a juste des gemmes. Il y a une autre pièce là où on n'est pas allé, mais c'est du donjon encore, tu vois. C'est pas. On peut aller là. Allez, on va voir. C'est vachement plus intéressant. On va voir. C'est un craft, super. Sérieux, on a débloqué ça. Non, mais c'est pas mais ça. Mais non, mais il y a pas que ça, si. Il y a que ça là. Attends, je prends la map, mais. Non, à mon avis, on a ouvert la porte d'en haut, mais c'est pas possible. Ah. Vous laissez des ennemis tranquilles, quoi. Allez, je me fais péter la gueule. Il y avait que ça. Ok, super. Ah. Peut-être que ça devient plus rare après. Oh, mais je n'aurai pas assez de temps pour polir votre lance, monseigneur. D'accord, très bien. Il se dit des choses dégoûtantes dans le chat. C'est... Travaillez dur. Moi, je viens juste ramasser derrière. Ça me rappelle quand on faisait du Cube World avec Pseudo qui traçait comme un ouf. Un jeu. Oui. Harvest. Vous voyez, ça m'en a donné deux, alors que normalement je devrais en avoir eu quatre là. Ok, je comprends pas la logique. En fait, je pense qu'il t'en donne un par grappe de deux en fait. Je pense. Parce que là j'en ai trois. Il m'en a donné qu'un, voilà. Ouais, bah c'est quand même un truc de pute, hein. Le problème. T'as fini de râler. Mais laisse-moi râler si je veux râler, qu'est-ce qui t'arrive toi? Laissez-moi râler. One day, laissez-moi. Moi je ramasse tout le fric! L'argent! Mon nom c'est J'aime! Et pour tous ceux que j'aime! Mon nom c'est J'aime! Le saviez-vous, le film J'aime est c'est ainsi au cinéma! N'allez pas le voir! Tout le monde s'en bat les couilles, il a été supprimé de je sais pas de combien de salles et voilà. Ça y est, j'ai tout ramassé! Ouais, non, il m'en reste encore! Je crois! Ah non, je peux rien faire là, qu'est-ce que tu me fais suivre les jeux? Comment je t'ai défoncé, mob? Ah oui, il y avait plein de trucs ici. Bah non, je passe juste à un endroit où vous étiez déjà passé et que vous aviez tout cassé. Et là, je regarde dans mon inventaire. Et je regarde dans mon inventaire, tu vois, et. 32, plus 3%. Mais pourquoi t'as ouvert la porte? J'étais tranquille, caché derrière et tout. Toi, t'arrives bim. Personne va t'attaquer, t'inquiète, il se passe rien. J'ai le droit de le porter? Ah oui, j'ai le droit. Et pourquoi j'ai le droit de porter des trucs qui ne sont pas du cuir? Je comprends pas, c'est quoi la logique? Peut-être que ça t'apporte des bonus. Selon ta classe, ouais, il doit y avoir des bonus où ils font pas autant d'effets que si tu ne les avais pas. C'est pas compliqué ma phrase. Ouais, elle était ouais. Et si tu fais pas ça? On a ouvert une super somme. Waouh! Attends, on va attendre Poppy parce qu'elle est loin derrière. Je suis pas loin derrière, je suis juste là et vous avez laissé un squelette en plus dans la pièce. Mais non, il est mort. Ben non, il est là. Il est malheureux et tout. Casse-tu la gueule? Non, je ramasse les loot et je repars moi. J'ai mis un petit coup sur la tête. La la la, la 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 la. Je vais casser les dingues pour les prochains pillards. D'accord. C'est vrai, c'est vraiment. Tu portes bien ton titre de roi des trolls, quoi. Non, là-bas il restait un petit bout, mais je pense que. Celui qui n'a jamais été seul. Au moins une fois dans sa vie. Pourquoi je drop jamais d'armure comme il faut? Je pense que je peux peut-être t'en donner un peu parce que j'en ai plein. Ah, mais il me faut une armure en plate, t'en as pas droppé si. J'ai des armures en scale moi. Mais je sais pas si c'est ça qu'il me faut. Oui, bah là il y a des messieurs madame, ok. Alors tu attends. Je sais pas où j'ai vu madame. Là il y a des messieurs madame, on s'occupe des messieurs madame. Après on s'occupera de la madame. Ah oui, voilà, ouais. Du fric. Les parchemins, c'est juste pour te téléporter de n'importe où. Quoi. C'est pas... Oui, bah c'est bien. Ah, parce qu'après, ça te ramène pas. Après, ça te ramène pas forcément là où.
C'est un peu comme le TARDIS, tu vois, ça t'amène un peu n'importe où. Ouais, c'est comme le TARDIS. Faut connaître la série, tu connais Doctor Who, c'est Underground. C'est pas très connu. C'est vrai que c'est pas très connu. C'est vrai. Pas beaucoup de gens qui regardent Doctor Who. C'est vrai. C'est une petite série comme ça. Une petite série du Pays de Galles, tu vois. C'est tellement pas connu qu'ils en ont pas fait des films. Ah non. Tellement pas connu qu'il n'y a pas des acteurs de ouf qui jouent dedans. Je peux te donner des adresses où tu peux trouver des t-shirts, mais c'est dur. C'est super compliqué. Moi, j'ai une fois, j'ai voulu m'acheter un rideau de douche, j'en ai pas trouvé. Ah, j'ai un sticker de frigo, tu vois. Tu vois à quel point c'est mainstream ? C'est pas mainstream. La rune ! Du fric ! Oh bah on a déjà trouvé l'escalier. Mais il descend jusqu'où ? Jusqu'en Chine, le machin, ou comment ça se passe ? Mais attends, il y a une madame, on t'a dit. En fait, c'est tout vieux, le jeu, c'est énorme. Ouais, mais elle fait que vendre des trucs. Ouais, tu fais que descendre. Elle est où, la madame ? Elle est là-bas ? Elle est là-bas, bonjour. Attends, peut-être que la madame, elle vend des trucs sympas. Elle vend des anneaux et des rues. Ouais, mais peut-être que c'est des anneaux intéressants. En plus, elle est avec des poulets. Bonjour, madame. Elle va pas vendre l'anneau unique. Qu'est-ce que t'en sais, ça se trouve ? Blood Magic. J'ai déjà regardé. Ring, Blood Magic Ring, Ring of Mana, Ring of Rage. Ok, c'est de la merde, en fait. Allez, on descend. Attendez-moi! Attends, je vais level up avant d'entendre. Et il y avait quoi derrière le pont? Pas d'idée. Du fric et des gants. Du fric et des gants. En tout cas, l'eau du donjon, elle a pas l'air très sale. Hein. Ah, j'ai pas vu, on peut améliorer. Nos sœurs. Ah bon? Bah oui. Non, plus, mais hein. Plusieurs levels. Chaque sœur peut monter de 3, mais par. Il faut que tu sois au niveau 5, 10 et 15, je crois. Oui, bien sûr, tu peux. Et moi je descends, je peux. Classe. Putain, mais arrête de partir devant! Ouais, je veux pas où je vis, c'est sûr! Je monte, je descends. C'est quoi ça? Plus 15 physical armor. Je prends une échelle, ça me permet de descendre. Je descends vers un autre niveau. Il y a encore une grosse énigme ici. Ouais. Mais attendez-moi! Mais va plus vite! Viens, on finit le jeu. Ouais, on fait game over, comme ça elle voit rien et elle a le seum. Alors que c'est elle qui nous a offert le jeu. Pourquoi vous êtes des putes comme ça? Ah oui, mince. Pourquoi vous êtes des enculés? Mais il est tout droit ton puzzle. Je vous laisse. Vas-y, fais-le. Qu'est-ce que c'est le puzzle? Je m'en fous. J'ai gagné. On a vraiment encore un shop. Je m'en fous. J'ai gagné. J'ai gagné le puzzle. Un jeu coop. Je m'en fous. J'ai gagné. Il serait là, il nous aurait mis la raclée encore, on serait parti tout seul tout droit. Il serait niveau 38 déjà, on aurait ouais, pas compris. En mode pseudo quoi. Et regardez, j'ai débloqué la locomotive à vapeur, je peux traverser le niveau à cul. Du fric, et de la bière, mon de Dieu. Un accordéon pour ramasser des arcs. Là, il y a des frics, il y a encore des clés. Les clés, attends, jusqu'à présent, j'en ai ramassé 200 là et j'en ai pas utilisé une seule. Hein, donc. Là, c'est Magri qui fait office de pseudo parce qu'il trace. Oui, mais c'est Magri. Il a pas le temps. C'est un farmer shintok. Son esprit est ailleurs quoi. C'est un bing bong. Bing bong. C'est le bing bong par excellence, Magri. Oh, il y a un autre puzzle. Vas-y, on le laisse à Poppy celui-là. Ça a l'air compliqué. C'est au moins du niveau des cahiers de vacances, je pense. Eh, les cahiers de vacances, c'était dur, je te ferais dire, ok. Mais moi, je galérais parce que déjà, il fallait que je regarde les solutions. Ouais, maman, je peux regarder Toy Story et tout. Non. Non, tu fais ton cahier de vacances. Mais tu sais, c'était l'arnaque parce que tu faisais une page ou deux, puis après, tes parents, ils oubliaient un peu, ça les saoulait, donc tu le faisais pas de l'année, quoi. Mais en même temps, t'es pas censé t'arrives faire à piquer l'année, des solutions. Censé le faire en vacances. Alors, ouais. Attends. Ok, je touche à rien. Ça a l'air compliqué. Ensuite, tu pousses celui-là. Je sais même pas où elle est, la case. Oui. Ensuite. Oui. Tu pousses celui-là. Attends, on va aller péter la gueule à l'autre parce qu'il nous Ensuite, jette des flèches là quand même. Tu pousses celui-là. On peut pas l'ouvrir, mais on peut pas. Ah, c'est Poppy qui doit l'ouvrir, ok. Ensuite. Ah si, moi je peux. Tu pousses celui-là. Ouais. Hein ok, il faut que tu nous sors, Poppy là. Il faut que tu trouves le puzzle parce qu'on est bloqué dans une pièce. Ah, très bien. Ensuite, tu. On a un peu. Ensuite, tu pousses celui-là. On a un peu cassé le jeu. Ensuite, tu pousses celui-là. Nous on se fait péter la gueule en train. Et pas un instant, je pousse celui-là. Après, tu pousses celui-là. Et après, ça marche pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah bon, on peut mais pas t'aider. La clé. Mais j'essaye. Bon, je m'en fous, je me téléporte.
Ensuite, celui-là. Oh là là. Mais pourquoi vous êtes... Mais deux secondes, putain, j'ai fini, là. Mais on a eu un bug. Ah ouais. Bonjour. En fait, c'était pas un truc pour accéder à une salle des coms, c'était pour nous sauver, quoi. Ah mais merde, putain, glitché cette merde. C'est votre faute, hein. C'est... Vous avez usé. En fait, il y a des cailloux qui sont éboulés devant la porte, ça nous a téléporté de l'autre côté de la porte. Oui, parce que vous avez pris un dégât, ça vous a fait sauter. Ok, non, ça c'est un décor, les gars, vous calmez. Mais il y avait une salle en bas. Attendez, il y avait une salle en bas. Attends, il y a de l'argent là. Mais il y avait une salle en bas là. Je suis pas puis après on va dire que. Ouais, mais là je me fais fouetter la gueule par des gens. Allô. Voilà, c'est tout, hein, les trucs, faut juste les casser. Je vais voir Panda, c'est plus marrant. Ok, d'accord. Ok, oh, le... Ok, le même mec. Moi, j'aurais pas apprécié. Non, mais c'est bon, j'ai compris qu'il m'aimait pas, ma grille. Il y a plein de loot. Ouais, par contre, moi, je me fais emmerder par une... S'il vous plaît, je vais mourir. J'arrive. Il y a tout plein des chauves-souris, elles m'agressent. J'arrive. Protège tes cheveux. Ah, je vais mourir, bien. Pour de vrai, je vais mourir. Ah, il y a une porte. Et où? Mais d'où elle m'a touché? J'étais en train J'étais en train de courir et tout, et elle m'a touché. Bah, utilise tes potions, pote, non? Comment on fait déjà? Sur le pad analogique, la gauche. La gauche? Ok, mais ça utilise n'importe quelle... Flèche de gauche. Non, ça utilise les potions rouges, normalement. Si t'as rien changé. Je sais pas, ma vie elle remonte pas. Ah si, d'accord, elle met juste 3 jours à remonter en fait. Tu vois pas, au-dessus de ta barre de raccourci, il y a si, la, si, un si, timer si, là. Si, si, oui, j'ai vu. Un cœur. Alors par contre, oui les pièces en un petit peu en vue de dessus. Mais non, les coffres le long du mur où tu peux pas les voir. Voilà. Oui, j'avoue. Je viens seulement de rendre compte que le perso de Poppy était un poulet géant. Je suis pas un poulet. Mais t'as picolé ou quoi? C'est pas que t'as une crête quoi, c'est tout. Vite, la clé, ok, sort, 8 heures d'énigmes plus tard. Mais enfin! Ça suffit là. Vous êtes méchants. Pour la peine, je vous offrirai pas la clé. Non, je rigole. La meuf, reviens. Pour la peine, je vous offre. Je vous fais pas. C'était un mensonge depuis le début, je vous emmerde. En fait, t'es disqualifié du concours. En fait, y avait pas de clé. Y a pas de clé à gagner. Et En fait, c'est plus chiant que tu vois ce sort-là. Non, mais je pense que là, on commence à s'approcher des niveaux. On peut se faire, guaquer si on se sépare ou qu'on fait n'importe quoi. Ouais. Vas-y, on se sépare. Non, venez, on reste en équipe. On fait des trucs en équipe. Là, vas-y, on marche. J'ai l'impression que je pourrais envoyer des flèches plus fort avec mes fesses, quoi. Jean-Marc. C'est quoi l'histoire de tes fesses? L'histoire de mes fesses, leur vie, leur histoire. La biographie des fesses de Panda. Tout commença par une position bien assise. Oh, une rune. Oh, un cœur. Oh, des gemmes. Oh, du fric. Oh, des gemmes et du fric. Bah, putain, je me suis encore perdu. Aïe. J'ai mis des petits coups de bouclier, ça sert à rien, regarde. J'ai paré une attaque complètement random. Les ennemis sont pas super impliqués dans les combats, je trouve. Hein. Je sais pas s'ils sont en greffe perlée ou un truc comme ça. Mais... Ils sont en quoi? Greffe perlée. C'est-à-dire que tu vas travailler quand même, mais comme tu fais greffe, en fait, tu travailles lentement, tu vois. C'est greffe perlée. Ok, y a rien ici. Oui, c'est on ne dit pas ça, on va avoir des problèmes. C'est des fonctionnaires. C'est ça qu'il fallait pas dire. On va se faire insulter par Miss. Je ne sais pas, je ne suis pas là. Je ne fais pas partie de ce live. Et putain, ils partent sans moi, ils me laissent derrière un mur des boulis, les salauds. Ouais, bah pour je une fois, de l'eau toi, et je te regarde hein. Faire. Ah, ouais, merci, c'est mieux. Non, moi, je suis juste descendu parce que là, par contre, il faut que je commence à trier un peu mes affaires. J'ai trop autre chose. Panda, j'ai une épée niveau 6 comme les tiennes.
C'est beau. Ça t'intéresse? Mais fais voir quand même, on sait jamais. Je te les drop, et puis au pire, tu les... Ça sent. Je crois que c'est la même que tu me filais tout à l'heure. Attends, je regarde. Great Sword. Non, ouais, elle est moins bien. Si, j'ai une épée niveau 7. Mais elle est 7, la mienne, en fait. Déjà. 4. J'ai quoi d'intéressant comme gant? 4 de 2. J'ai ça, si tu veux. Vous croyez que le Scale Armor, c'est du... Ah, c'est cool, ça. Équipe. C'est pour moi ou quoi? Bah, ah non, il est moins bien. Je vois pas trop pour qui ça serait d'autre, en fait, sinon. Ah, moi, c'est vraiment du plate, quoi, mais il m'en drop pas du tout depuis le début du jeu. Bah, le Scale, c'est pour qui, alors? Je pense que c'est pour les démonistes ou les trucs comme ça. Ah, c'est pour moi. Démonistes? Oui. Ça, c'est caca, ça, c'est caca. Ouh, ça, c'est pas caca, ça. C'est pas caca. C'est pas caca. Bah alors du coup, je te dépose le scale. Mais je le mettrai pas, c'est moins bien que ce que j'ai en fait. Mais c'est pas toi que je parle, calme-toi. Mais dis-le alors, utilise des noms. Mais il vient de dire, Magri vient de dire que... Mais est-ce que tu crois que je l'écoute, Magri? Hein? Mais oui, j'ai rien fait, moi. Est-ce que tu crois que je le respecte en tant qu'être humain, là? Comment ça se passe? Putain, la violence des propos de cet homme, quoi. J'en peux plus. JPP de cet homme. La violence des propos, quoi. Je suis quoi. Pas là pour respecter les gens, bordel de merde. Mais je suis pas là pour être votre pote, enfin. Vous êtes tous des putes, c'est bien connu. Calmez vos culs, quoi. Je suis là pour faire de l'argent des abonnés. Ok, c'est bon. Ouais, vas-y, Magri, pète-lui la gueule à distance. C'est des pires verts. Il y a un mini-jeu là-haut. Hein? Oui, oui, oui. De l'autre côté. Oui, de l'autre côté oui, du mur, oui, mais... Oui, c'est moi, Belzébuth. Je vais te péter la turlute. Ça veut rien dire. Je me souviens pas ça de... C'est pas ça, les paroles. C'est pas ça, les paroles. C'est pas du 8 bits. Ouh, ça revient de loin, ça. Ouais, c'est clair. C'est pas du... C'est divers tragique, une jeune femme s'étouffe en mangeant trop de biscuits trop vite pour se venger face à ses amis. La mort pourrie. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Pipim! Est-ce que ça marche pipi, comme ça quoi. Non. Pipi. Pipi! Non, ça, c'est toi, ça. C'est le break. C'est la pause. Pipi! C'était le bruit le plus long de l'histoire de l'humanité. J'ai bugué, écoute, laisse-moi. Là, par contre, je ne peux plus faire de mouvement et il arrête pas le jeu, alors je comprends pas. T'as un abonné qui s'appelle Kezak. S'il va dans le bon coin de la France. C'est Mathieu. Mathieu, tu sais, j'ai fait ma valise tout à l'heure. Et bah, figure-toi que j'ai pensé à mettre mon bouquin de dédicace juste pour toi, juste pour que tu puisses le voir. Ah. Que je t'avais dit que je te montrerais les dessins, dessins de certaines personnes. Mais t'es sérieux, les ennemis sont level 1? Ah non, level 15. Mais attends, ils sont level 1. Tu peux attaquer par les cailloux. Tu vois 5? Ouais. Là, je vois 15. Moi. Allez, les cailloux! Ce sera toute pas les dégâts que tu fais, le 15. J'ai raté toute l'action ouais, parce qu'il y avait des cailloux dans le chemin. Ouais. Sérieusement. Il est pour moi, il est level 6. Ouais, c'était ça, c'était Poppy en mode The Grudge. Ouvrez la porte, bande de manants puants. Putain, les chauves-souris, elles sont hardcore, elles ont trop de life en vrai. Il y a un truc là, parce qu'ils commencent à être à l'an de niveau. Il y a un truc qui arrête pas de se TP. Il est où? Ouais, c'est les squelettes, ils pop une ou deux fois. Non, c'est pas les squelettes, c'est un lézard qui se TP. Ouh, c'est quoi ça? Des poulets noirs. Les poulets maléfiques. Ah, les poulets du mal. Ce sont les frères de tous les poulets qu'on a balancés dans la ville des Égyptes. C'est les poulets de Zelda qui se vengent. Ah ouais, c'est TP. Ah oui, d'accord, en fait, c'est quand tu relâches la souris, quand tu relâches l'attaque épée, il fait un... Une attaque Zelda quoi. Mais t'as un petit poulet qui te faisait le cul là. Ouais, je l'ai vu, il était là tranquille en train de me picorer les fesses.
Bonjour madame. Que ne puis-je. Vous habitez chez vos parents, que ne puis-je. N'est-il pas Fortiori. Oh, j'ai empêté la gueule au cristaux, aux ennemis. Ouais, les cristaux ennemis, quoi. Est-ce que tu crois que les rubis sont forgés dans le sang de nos ennemis classe, quoi. Donc en fait, le pire ennemi du jeu, c'est les éboulis. Mais oui. Ils font trop mal, les éboulis, c'est vraiment les pires. Tiens, mais eux, à chaque fois, je crois que c'est des lampes, quoi. Je fais pas gaffe à ces mecs. Par contre, ils sont level 7, là. Là, on commence à plus rigoler. Mais reviens ici, chauve-souris de mes... Bon, tu sais pas qu'il n'y a pas qu'un seul donjon et qu'on descend à l'infini. C'est tellement feignant, quoi. J'avoue que ça, pour l'instant, ça a l'air d'être ça, hein. On va voir. Ouais, mais en même temps, si le niveau augmente à chaque fois que tu descends et qu'au bout d'un moment, le niveau monte plus vite que toi, tu en prends... Hein là. Quoi. J'ai bien compris ce que je voulais dire. Apparemment, ouais. Tu peux créer de nouveaux mondes. J'ai pas compris ce que t'as essayé de dire et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ben en gros, si tu descends de niveau et qu'à un moment donné, on est niveau 8 et que les donjons sont de 7 niveaux, c'est intéressant. Pardon, pardon. Une énigme. Oh, laisse à moi. Ah, ah non, putain, les éboulis. Il va la finir avant nous. Vite, vite, Panda, casse les éboulis. Il faut qu'on aille par l'énigme. Vite. Casser l'énigme. Moi, je m'en fous, je vais casser les tonneaux. Casser l'énigme. Casser l'énigme. Putain, je peux le tirer. Je lui ai mis un critique à 180, il a pleuré, quoi. J'ai vu ses larmes en 3D, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et là, on fait de la coop énigme. Ouais. Je te bloque. Vas-y, Panda. Rien à foutre, je te bloque. Mais pousse. Je nique l'énigme. Pousse ta bite. Je nique le game. Pousse ta putain de bite. Hop, voilà, je fous le bordel. Merde. Non, mais c'est un poil de cul pas. Là. Allez, Magri. Magri, pousse. 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 Fais caca. Voilà. Merci. J'ai voulu vous faire chier, je me suis auto-bloqué. T'es fort ou pas? Ah, mais il y avait plus rien à ramasser en fait, d'accord. Très bien. Débloqué. Encore un marchand. Eh ben, regarde pas d'être venu sur ce stream. Non mais mon gars, si tu sais. On est gentil aujourd'hui, on est calme. Mais putain, c'est quoi cette putain d'énigme à chaque fois où tu débloques un marchand de mes couilles là, bordel. Je crois que je vais m'équiper des... Ah, bon, de shop, est-ce qu'on peut... Je vends tout, hein. Ouais, une épée niveau 7, bah, c'est la même que la mienne, mais en même temps c'est vous qui vendez vos merdes, alors forcément. Et putain de bombe là, vendu. C'est le jeu de comment ruiner l'économie locale. Vendu. Moi je vends tout ce que j'ai. Remarque que Dominique s'emmerdait dans sa cave. J'avoue, c'est pas très vendeur de mettre votre commerce dans une grotte, madame. C'est pas très vendeur. Je sais que c'est un peu la honte d'aller dans la galerie marchande de Auchan, mais quand même, une montagne au fin fond d'un pays imaginaire, c'est un peu pousser mémé dans les orties. Pousser mémé dans la Prius. J'ai toujours rêvé que quelqu'un crée un gif de pousser mémé dans l'abribus. Pour voir la violence okay. Du geste. C'est pour vous ce soir les gars. Créez ce gif. Je vous retweet. T'imagines mémé qui se cogne dans l'abribus, mais la violence du geste quoi. J'ai toujours en tête... Qui rebondit contre la plaque de plexi. Moi j'ai toujours en tête cette fois où tu t'es cogné la tête à l'aquarium et j'imagine... Allez vas-y, toi de la gueule, monsieur. Elle était très propre cette fenêtre, J'imagine tellement le bruit quoi. J'ai voulu faire un concours de headbutt avec une vitre d'aquarium, de gros aquarium. Bon, il a gagné, mais j'étais debout encore. C'était tellement rigolo. Ah c'était drôle hein, c'était drôle. Mais attends, t'es arrivé mais tellement arrivé détendu. Je voulais faire le ninja et... T'es tellement arrivé tout détendu et tout sur le... Moi je le voyais arriver dans la vitre en fait, reflet dans la vitre et... Allez, le swag. Et d'un coup j'entends... BUNK. Je me retourne et je vois... Et là j'étais par terre et t'es allé. Et je vois Panda qui se tient la tête, j'en pouvais tellement hup. C'était trop marrant. Moi je fais des vieux bruits de bouche. Tu te moques de la misère des gens, franchement, des gens comme toi, ça devrait être interdit en convention. J'ai tellement rigolé que j'ai bavé, mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, maintenant t'as bavé? Oui! J'ai bavé de rire, c'est une nouvelle expression. La vie de ma mère, j'ai bavé de rire. Attendez, mais moi j'ai la vraie. Vous savez pas, mais moi j'ai la vraie image en tête, quoi. Je m'en rappelle très bien de Panda qui se cognait. Du coup, j'ai un peu du mal à m'en remettre là. C'est par ici la descente.
On a fait tout le... Je suis en train de vendre en plein temps. Ouais, bah profites-en pour vendre des trucs, mais je crois qu'on a oublié une petite pièce là-haut, là. Ouais. Putain, j'ai pavé comme une... Comme une cotorep, là, putain. Mais c'est nul, j'ai mis un nouveau casque et le skin change pas, en fait. Laisse-moi deviner, un vendeur ? Ah non. Un distributeur de Coca-Cola ? Vas-y, je t'en prie, là, c'est des ennemis. En vrai, j'aimerais bien trouver un distributeur de Coca-Cola, là. Tu vois, là, par exemple, il y a un ennemi, il est caché, quoi, on voit pas. C'est le mur. Non, il dit, je suis pas en train de casser la gueule au mur, quand même, je suis pas con à ce point. Les mecs, le mur a une barre de vie, qu'est-ce qu'on fait? Tu sens que Poppy fatigue et qu'on l'a peur que son rire évolue. Voilà. Ah, ils vendent des épées bien. Des épées bien. Elles sont sympas. Bien, t'as vu? Pour plus, j'achète tout. Non! Mon dieu, je me fais attaquer par des poulets! Un arc! Et vous voulez pas venir m'aider là, qu'il y a des ennemis qui ont popé comme des bâtards? Vendeur. Attends, mais. Très bien, mais je sens que ton sens de l'urgence est pas le même que le mien. Ah ouais, non, attends, non, toi. Il y a un rocher niveau 6 qui bloque la route. Il y a un vendeur. Je savais pas que les rochers ils étaient niveau 6. Je me fais attaquer par Cthulhu! Il y a un vendeur. Cthulhu? Et non, bah, ah voilà, ok, t'es là. J'allais te fracasser la tête aussi. De panique. Alors, du coup... Ouais, mais du coup, on peut pas récupérer les... On peut pas récupérer les gemmes sur nos... Non, je crois pas. Sur nos armes. Sockets. Ah si, il suffit de retourner dans Sockets et de les enlever. Sérieuse? Oui. Comment tu fais, Sockets? C'est nul. Tout mettre au pif. Ça défonce. C'est stylé. Ouais, mais du coup, ça enlève un peu l'aspect gestion du jeu, quoi. C'est dommage. Bah non, dans tous les jeux, tu peux enlever les gemmes de tes armes, ça a toujours été, sauf que d'habitude, ça... Ok, très bien. Non, route, sauf que d'habitude, ça... Écoute, je me sens à l'aise, là. Hein, j'ai envie de partager quelque chose avec le live. Ok, non, mais c'est bien, hein. Je me sens bien. Je sens que, ça y est, tu te sens comme à la maison, là. C'est le début du Yu-Gi-Oh. J'ai enlevé mes tongs, hein, je tiens à le dire. Putain, le chem, quoi, c'est bon, tu m'as tué. J'ai ça va de... Ok. Merde, c'est pas... Ah, mais on peut plus descendre, là, en fait. Panda, comment tu vas? Ah, si. Bah, où? Du fric, des trucs à ramasser. Putain, ce loot. Ah, oui. Effectivement. Là, je peux choisir soit Wizard, soit Mystique. C'est quoi, Mystique? Ah, mais t'as réussi à débloquer. Ah, pareil. Ça se débloque tout seul. Ah, je vous soigne. Ou Barbare? Je pense que je vais faire Barbare. Vous soignez? C'est pourquoi j'aurais envie de vous soigner. T'es pas gentil. Attendez-moi, j'arrive. Non, c'est pas par là. Bobby, t'as une minimap. Météor Storm. Alors. J'arrive, je suis en ville. Quoi. Quand on arrive en ville, on s'est trompé de chemin. Oui, techniquement, on est chez nous, Elita Monkey, mais là, on est sur le stream de Poppy, donc je suis chez elle, quoi. Ouais, t'es chez WAM, ok. Un boss, c'est pas moi, je vous jure. Attends, ma Grittor, il fait des trucs, on est même pas là, et après, gna gna. Si, y'a Panda. Non, mais on t'attend là, on bouge pas. Vous m'avez pas beaucoup. Y'a du boss. Viens, j'ai laissé de la thune. Attendez. Putain, non, mais j'avais laissé de l'argent. Poppy, y'a du boss, c'est le même boss. Poppy. C'est de l'argent. Poppy. Putain, c'est le même qu'au début. Gueux. Gueux, il was too strong. Gueux, il était trop fort. Ah, il est en train brûle, de... hein. Il est mort. Ah, mais c'est le poulet. Oh, putain, le poulet. Non. Clackens. Chicken of Doom. Le là, c'est fin du jeu, quand même. Non, mais t'es sérieux, là? Ça se trouve, c'est le boss final, c'est le jeu a une durée de vie d'une heure. Raconte pas ta vie, poulet. Laisse-toi attaquer. Après, on fait du poulet, KFC. Hein, j'aimerais même pouvoir l'attaquer. Ouais, c'est parce que vous avez pas passé le texte. Oh putain, mais il... Non, ça va, j'allais dire il est costaud, mais en fait pas du tout. Ok, je tire pas droit. Je veux bien que j'ai un shield, mais... Il est où notre tank? Eh, calme-toi le poulet, calme-toi. Je suis là, je suis là. Eh, le poulet, tu t'es cru chez mémé. Aïe. Attendez. Là. Putain. Bah, je le bloque, hein, je fais ce que je veux, mais il bouge. Mais c'est quoi ce boss de merde? Sérieusement. Ouais! Succès déverrouillé, rock'n'roll quoi!
Bad for you, I got what I came for. You haven't seen the last of me. Bah ok. Hello, loot. Do not mess with the mighty chicken. Oui. C'est normal que... Ah d'accord. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Oh là là, le loot. Oh le loot. Ça va le loot? Bonjour le loot. Bonjour. Ah bah on a fini. Ah bah on a fini le premier donjon, j'ai l'impression. Jour Terry. Vous avez ramassé un truc aussi ou pas, du coup? Ben je sais pas, j'aimerais bien aller en ville pour qu'on voit tout ça d'ailleurs. Je sais pas, moi je parle à Terry. Bah, retourner à la ville, oui. Terry, quit wasting time. Ok, d'accord. Mais... arrête de perdre du temps. Ok, d'accord. Ok, merci. Faites gaffe, il va se transformer. Quelqu'un se rappelle de l'ordre de couleur des machins? C'est violet le mieux. Le blanc. Le shield. Vert. Alors attends, vert c'est mieux que bleu. Ah mais c'est déjà celui que je porte. La bouffonne. Ah mais j'ai du violet. J'étais trop contente et tout. Ah on a level. Resistance. Armor, mana max, rage max, magical reduction. Mana max ça ne sert à rien. Mana max. Dans le doute je vais commencer à partir dans la branche heal. Ouais mais non je perds du critique en fait donc ça m'intéresse pas. Est-ce que ça peut vous intéresser ça? Le drop. Ah, dans la branche heal, je pourrais invoquer un poulet pour qu'il vienne nous aider. Yes. De fou. Ouh, les lézards gantelettes. Oula, ouais, il m'a donné un bon... de... ça m'enlève de l'armure Ignores. C'est tout naze. It's too nice to apologize. Panda, est-ce que ça peut t'intéresser? Je pense que ça peut t'intéresser parce que c'est... c'est axé sur l'ignorance de d'armure. Non, je sais pas. Sur l'ignorance. Je sais pas ce que c'est une armure. Putain, dodge, c'est l'esquive, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être pas mal. Mais... si t'en veux pas, tu me le rends, hein, mais. Non, je veux pas, je prends. J'hésite entre. Garder mon anneau de réduction de dégâts physiques qui me rajoute du critique ou prendre une armure d'esquive une ring d'esquive. Pardon. L'affinité avec les poulets dans ce jeu est des plus étranges, mais oui, il y a un problème avec les poulets. J'espère que c'est un hommage à Zelda. Il est 20h50 les petits gars, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vous faire gagner la clé. Comment on pourrait faire pour vous faire gagner la clé? Bah, pose une question trop. Stropole. je sais pas. Soit une question ou... Soit une question. Une énigme, mais le premier qui te répond sur Twitter, j'ai pas. Non, parce que le premier qui répond, c'est un peu pute, je trouve. Ah ben, il faut avoir une bonne connexion internet pour être devant les autres, mais ça, voilà, c'est... on sort ce qu'on veut dans la vie. Hein. Vous êtes combien, les viewers? Être une victime. Vous êtes 35, normalement. Oh, ça va être compliqué. En fait, je voulais faire un truc où genre je tire au dé un nombre et c'est le viewer dans la liste qui est tel numéro qui remporte la clé. On va faire ça. Donc, dans ma liste de spectateurs actuels, là, est-ce que je peux faire un... Attends, comment ça s'appelle les sites où tu peux tirer, tu peux dire entre tel numéro et tel numéro et... Y a pas un truc qui est lié à Twitch pour ça? Je sais pas. Je sais pas. Oh, je peux acheter un pet. Oui. Je peux acheter un pet. 41. Vous dites que vous êtes 41. Moi, je vous vois 35. Attendez. Moi, je vois 41. Je relance. Je peux acheter un pet. Je relance ma page, mon dashboard, pour voir ce qu'il me dit. Ah, bah maintenant, il dit que je suis que le live est déconnecté. Donc, c'est encore mieux. Alors, moi, ça tourne toujours. Google Random Generator, on est d'accord. Ah bah ouais. Tu fais un D 41 et voilà. Oui. Vous voyez 41? Bon, allez. Non, je sais quoi comme net. Merde, vous m'avez dit quoi? Putain, je suis con. Google Random Generator.
Random generator. Random.org. Minimum 1. Maximum 41. Generate. Non mais 1, t'es sérieux mec? 13. Alors, qui est 13ème dans la liste des visiteurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et c'est Ispen! Ispen, tu as gagné une clé pour jouer à Forge Quest. Il faut que tu m'envoies ton adresse email ou ton nom sur ton nom sur Steam et je te l'envoie Tilly Sweet. Non, l'autre belge, c'est pas toi. Tu aimerais bien, mais c'est pas toi. Es-tu dans le chat? Non, c'est bien Ispen. C'est bien Ispen pour moi, la 13ème. Ispen, GG à toi! Si tu es bravo là, Ispen! Si il a répondu, n'es... il est où? Si tu n'es pas là, je le vois plus dans le chat, Ispen, MDR. Putain! Non, sérieusement? Moi, je vois toujours dans le chat, Ispen. Attendez, je vais lui envoyer un message privé. Ispen répond. RTC Tetris. Si on peut, je sais plus comment on envoie les Wisps, c'est slash W? Oui. Slash W Ispen. Alors, slash W Ispen. No vas-y, match. Comment on fait là pour avoir. No match MDR, putain. Bon, et ben on va relancer. Tant pis pour Ispen, puisque je n'ai pas de retour de sa part. On va relancer le générateur. Oui, je te mets un petit bouclier. Comment on fait pour équiper le poulet là? Je sais pas, je l'ai acheté. Alors 6. 6, qui est 6ème? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est Desman. Ok, bah Desman, bravo. Bravo par abandon de Ispen. Tu es le 6ème. Desman, cadeau. Qui c'est qui a gagné? Poulet, je vois. Desman. C'est Desman. Ouais, et ouais. Et ben mon petit Desman, t'as gagné une petite clé du coup. Et puis en fait. Il faut que tu me renvoies ton pseudo, ton petit pseudo sur Steam. Et je t'envoie ça, voilà. Je crois que tu étais dans ma liste d'amis sur Steam, Poppy. Je ne suis plus sûre. Oui, regarde. Attends. Le mec arrive et gagne une clé, bim. Regarde, il y a un petit poulet. On ne choisit pas, c'est le random. Plein d'effets magiques pour faire la. C'est le random. Non mais je vous vois pas. Voilà, bah Desmin. Bien sûr. Desmin, tu as gagné une clé. Je te file ça dans 4 minutes. Et nous, on va continuer à faire les cons jusqu'à la fin. Ils sont contents. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Regarde, j'ai mon petit poulet avec moi. Où ça? T'as gagné assez de fric? Ah, trop bien! Et comment il marche alors? Il s'active tout seul ou? Bah, j'ai l'impression, ou ouais. Tu le commandes? Je l'ai juste équipé dans ma barre de tâches et puis après il est là, quoi. Il me suit. Bah, il vient vers toi. Non, il vient vers ma grille. J'étais en train d'essayer de m'occuper de mon stuff justement. Par contre, il y avait au Dragon Corset, il me parlait du mur de glace. Apparemment, ça doit être une nouvelle. Je sais pas, je vais voir pour l'acheter après. Tout ça, on avait. Ah, peut-être les Laser Boots qui sont mieux. 6-3-3, 5-3-3. On va changer les boots. Ah, et quand tu parles à la meuf du Dragon Corset, elle te donne un dragon. Sérieux? Bah, écoute, c'est ce qu'elle venait de me dire. Non, je vais aller voir mon inventaire, si elle me bluffe ou pas, si elle me pipote ta main. Ah ouais, un adorable bébé dragon. Ah bah non, moi j'ai que le... J'ai l'œuf. J'ai le pet chicken. Comment ça t'as l'œuf? Bah, dans les misques. Tout en bas, là où il y a les clés et tout, t'as un adorable bébé dragon. Ah, je le vois pas, moi. Je peux le drop, mais ça a l'air d'être un. Ah oui, an adorable baby dragon. Peut-être qu'il faut l'emporter au mur de glace, ça, je sais pas. Parce que c'est notre prochaine quête, en fait, au mur de glace. Oh bah, ça doit être ça. Dans les misses, mais... non. Tu vas tout en bas, t'as un œuf de dragon, quand t'auras parlé à la meuf. Attends, j'y retourne. Un poulet plus de la mythe égale bêta. C'est là où on est...
Oui, oui, j'étais... Pardon. Tu parles du mur de glace et... C'est ta prochaine quête, en fait, et elle te file un dragon. Et je crois que c'est un mec, hein. On arrête pas de dire elle, mais... Non, c'est Fiona. Elle s'appelle Fiona. Et alors, un homme peut s'appeler Fiona, c'est mais je sais pas ses choix. Ice Wall. Ouais, j'y suis pas ses parents. C'est mon poulet. Moi, je veux finir le live sur la casquette swag. La casquette swag? Ouais, je vais lui mettre une casquette swag. À qui? Eh, Panda, tu peux mettre un fez. Comment? Bah, faut l'acheter. Moi, je veux la casquette swaguée. Moi, je dépense mes sous prudemment, j'achète un poulet avec de la dynamite, d'accord? Moi, j'attends de pouvoir acheter le dragon à 6000. Moi, je prendrai un pet après, mais... Le fez, il est où? Je le vois pas. Dans les... Juste au-dessus des pets, en fait, tu peux mettre des chapeaux. Par contre, attends, juste au-dessus. Comment on met les chapeaux? Oh c'est oui, je veux. Ah, tu veux le fez? Oh, ça coûte trop cher. Ah, je savais que tu voulais le fez. Oh, ça coûte. Oh, ça coûte. Comment tu t'es énervé? Oh non. Le fez. Au-dessus des pets. Voilà, j'ai une casquette swaguée. Swaguée. Oh, swaguée. Oh putain, j'avoue, t'as la classe, quoi. Moi, j'ai un poulet qui explose. Toi, t'as une casquette, quoi. Vas-y. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Ma crête est passée à travers ma casquette. Narmol. Qu'est-ce qui se passe? Il faudra refarmer parce que je veux le fez. Allez, on va couper le live et puis on va continuer à farmer comme des... Ah, il faut trouver la quête. Ce sera level 1000. Voilà, bah en tout cas, merci. On peut descendre par là. Et s'il vous plaît, 2 minutes, on peut dire au revoir. Ça suffit. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Il y en aura un prochain, donc mercredi, hein, comme tous les mercredis, de 18h à 21h, souvent en compagnie de notre ami Magritor, cela étant. Le PNJ m'a bloqué. Et j'espère qu'on pourra le faire avec Pseudo. On doit le faire avec Panda, mais Panda ne sera pas là au début du live parce qu'il termine un peu tard. Donc mercredi, on fera un autre jeu en coop, comme ça. Et ce sera sympa, voilà. Donc nous, on vous fait des bisous, on vous remercie d'être venus. On se voit à la Néocast pour ceux qui seront à la Néocast. Sinon, bah, les autres à mercredi prochain ou au prochain live. On vous fait des bisous. 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 Swag, 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 swag,